Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la première saison de Scotch et domination mondiale. Alors peut-être que tu te dis Ali, c'est pas ton premier épisode, c'est ton 31e épisode et tu as raison. Mais c'est pas grave parce que on a un nouveau studio absolument fantastique. On va diffuser nos épisodes de podcast en direct sur Facebook à tous les mercredis à 18h. Alors, pour célébrer cette nouveau, nouvelle formule-là, on a décidé de recommencer la numérotation. On va y aller par saison. Les euh, invités vont être annoncés d'avance. Comme ça, vous allez pouvoir me soumettre les questions au fur et à mesure euh, une semaine à l'avance pour que je puisse les poser euh, à la personne avec qui je suis en direct. Et non seulement ça, mais vous allez pouvoir venir sur le post en direct, poser vos questions et on va se garder une demi-heure une heure à la fin. Pour répondre à vos questions. Donc, aujourd'hui, je reçois nul autre que Marco Bernard. On va parler de podcasting. Donc, je pense que c'est un sujet approprié pour cette, pour lancer la nouvelle saison de podcast et plein de trucs à savoir comment lancer ton podcast. Une fois que ton podcast, de quoi parler sur ton podcast. Comment attirer des invités intéressants. Comment euh, faire la promotion de ton podcast pour faire en sorte qu'il y ait le plus de gens possible qui l'écoutent. Où est-ce qu'il faut que tu héberges un podcast? Donc, plein de détails qu'on va apprendre ensemble dans cette entrevue. Et Marco a fait une formation sur le podcasting. Cette formation est disponible sur la tranchée. Donc, si tu as des crédits accumulés sur la tranchée, tu peux te procurer cette formation. La seule chose que tu vas faire est de te rendre au latranchée.com slash S pour saison. Donc S01E01, donc saison 1, épisode 1. Ça va être comme ça qu'on va faire le format. Euh, des, des, des URL pour le podcast à l'avenir. Très très simple. En tout cas, moi je trouve que c'est simple. Si je trouve que c'est compliqué, ben je sais pas quoi dire. Alors sur ce, <laughs> euh, on va se lancer directement dans cette entrevue. Euh, on a eu quelques bugs techniques. Ça a été la première fois qu'on a fait ça en direct. Bon, il peut-être fallu que je teste mieux mes, mes choses, je m'excuse d'avance. Donc, on a eu euh, certains problèmes au niveau du son. Tu vas voir, à quelques endroits, le son a coupé. Euh, ça se peut qu'il y ait des plans de caméra qui changent, que tu te dis Ben voyons, c'est quoi cette transition-là Ça n'a aucun sens. C'est juste que j'ai dû éditer par la suite le podcast au meilleur de mes compétences pour faire en sorte que euh, le son ne gosse pas et que ce soit dans un format acceptable et agréable à consommer. Et comme que tu vas voir, je pense que euh, ça fait quand même une belle job. On a une entrevue d'environ 1h40. Euh, de, de contenu absolument incroyable sur le podcasting. Alors, sur ce, je te laisse sur ce premier épisode de Scotch et domination mondiale. Euh, je, je pense qu'on qu qu peut être qu'on se concentre un petit peu plus sur euh, donner des trucs, des astuces aux gens qui se disent à la maison moi, j'aimerais ça me lancer un podcast parce oui. que c'est principalement pour cette raison là que les gens écoutent le podcast mm -hmm. pour, pour connaître ce qu'on écoute. Euh, Quoique en même temps, c'est le fun de savoir c'est quoi les influences oui. euh, qu'il y a au niveau du marketing. Puis après ça, peut-être qu'on pourra revenir pour savoir qu'est-ce que d'écouter ces podcasts-là t'ont apporté personnellement, parce que ça aussi, c'est quelque chose que, euh, qui m'a curieux, parce qu'il y a une bonne partie de mon développement personnel d'entrepreneur qui vient de là. Mais bon, fait qu'un podcast, tu as pris la décision, je veux me lancer un, un podcast. Um, c'est quoi la première étape? La clé, puis c'est pour ça que je me suis planté la première fois, mais la clé, c'est vraiment, puis c'est la base de toute bonne stratégie marketing, c'est de déterminer. De façon la plus précise possible à qui tu vas parler. Parce que ça, ça va teinter tout le reste de, de ton processus par la suite. Ça va teinter si tu vas faire des entrevues, ça va teinter si tu vas être en, en solo, si tu, vas, si tu vas être en panel, ça va teinter le, 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 le délai, le, le, la fréquence que tu vas faire par semaine ou par mois ou peu importe, là, le nombre d'épisodes que tu vas mettre à l'intérieur de ça, la durée de chacun de tes épisodes ça va teinter comment tu vas parler dans tes, dans tes entrevues, si tu vas mettre des, des chroniques, par exemple, parce que tu, les gens vont venir chercher, si, des gens qui vont être au début de leur processus, qui vont venir chercher des choses plus génériques, tu peut-être vouloir leur donner deux, trois chroniques pour avoir des informations sur le plus grand nombre de choses possible. On n'a qu'à penser au carnet de Bruno Guilier-Minetti, il y a plusieurs chroniques à l'intérieur, c'est vraiment des petites capsules de 4, 5, 6 minutes sur plein de sujets, c'est comme si c'était un bulletin de nouvelles numériques, mais il, donc, il va chercher les gens qui veulent avoir de l'information générale et up-to-date sur le domaine du numérique. Ça correspond à sa clientèle. Dans mon cas, dans le cas de l'accélérateur, je vais chercher des gens, des, des, euh, des entrepreneurs, des gens qui veulent se démarquer par leur marketing, qui veulent se démarquer par leur création de contenu, qui veulent se démarquer aussi au niveau des ventes. Donc, je vais, aller des, je vais, je vais souvent aller chercher des gens qui vont. Euh, amener ce, ces sujets-là un peu plus loin, des, des, des entrevues de fond où je vais être capable d'aller pousser un petit peu plus loin sur certains sujets. Donc, euh, donc la clé, la première chose, c'est vraiment d'établir avec précision à qui on va parler. Ok. Et puis une fois que, okay, fait, ben, non seulement à qui qu'on va parler, mais aussi euh... Tu sais, je suppose que quand tu as une entreprise, c'est facile de se dire bon, ben, Je vais parler de sujets reliés avec mon, mon entreprise. Mais mettons que tu n'es pas une personne qui a une entreprise nécessairement. Tu es juste un, un citoyen normal qui se dit ben, Moi, j'aimerais ça. Peut-être commencer à, à faire du podcasting. Euh, Est-ce que tu aurais des trucs ou des astuces à garder en tête en considérant que peut-être qu'éventuellement, cette personne-là voudrait générer des revenus avec son, son podcast Comment en enligner sur le sujet Il n'y a pas de bon et de, mauvais, de mauvaises réponses par rapport à ça, dans le sens que encore une fois, tout revient à, à qui ça va s'adresser. Je donne un exemple. Il y a un académicien qui a décidé de lancer un podcast sur la course à pied. Le gars qui fait dans vie, il y a une agence web qui va développer son podcast dans l'idée peut-être éventuellement d'avoir un autre podcast sur un autre sujet éventuellement. Mais là, il a décidé de lancer premièrement quelque chose qui va lui permettre de connecter sur une base émotionnelle avec ses invités, sur une base émotionnelle sur les gens que ces gens-là vont apporter aussi sur le podcast. Et il se fait les dents par rapport à ça et éventuellement, il va peut-être faire autre chose avec son podcast. Mais ça, il va y avoir quand même un crowd qui va être là. Moi, quand j'ai lancé l'accélérateur, puis après ça, j'ai lancé le podcast de l'Académie du podcast qui, euh, qui est arrivé euh, 15 mois plus tard. Bien, je me suis servi de l'accélérateur pour dire j'ai un autre podcast. Fait que si ça vous intéresse d'avoir de l'information sur le podcasting, dirigez-vous là. Puis j'ai une partie du crowd de l'accélérateur qui est parti pour aller sur ce podcast-là soit partis tout court parce que dans leur, dans leur cédule de, de, de la semaine, ils ont du temps pour écouter un ou deux podcasts, puis finalement, ben, ils ont scratché l'accélérateur pour s'en aller avec le, celui de l'Académie du podcast. Ou ils ont juste continué à consommer les deux. J'ai des gens qui viennent me, qui viennent sur, chez, me voir sur, sur les médias sociaux et me disent, je, je ne manque pas aucun de l'épisode de tes deux podcasts. c'est super le fun quand on entend ça, là, mais, ouais. euh, mais c'est ça. Bref, euh, pour, ça revient toujours à, à qui ça va s'adresser. Puis lui, ben, l'exercice qu'il a fait, c'est vraiment de se poser la question qui va être le end user qui va écouter ça et pourquoi cette personne-là va venir écouter ça? Comment je peux faire pour la servir de la meilleure façon possible? Et au final, pour avoir peut-être une connexion qui va être... Émotionnel, parce qu'on le sait, le monde du podcast, c'est le média du podcast, c'est le média qui va te permettre d'être le plus proche de tes, euh, de tes auditeurs de tous les formats. Ouais. Okay? On a 85 des gens qui écoutent un épisode de podcast pour 32 minutes. C'est hallucinant cette statistique-là. Faites juste essayer de penser à quel point on peut avoir dans l'expérience... Tu ne peux, peux pas faire ça sur un tout. tu peux pas faire ça sur un article de blog, mais c'est pas encore une fois, ça revient à ce que je disais tantôt, ça revient, tu es dans ton auto, tu es en train de, de faire du jogging. Quand tu es en train de faire du jogging, tu portes ton épisode avant, mais quand tu es en train de faire du jogging, tu n'as pas le temps de te changer l'épisode. Fait que tu l'écoutes jusqu'à ce que, que les bas de plate t'es en zure. Même à faire quand tu es en auto, tu es, es en train de conduire, tu n'as pas le temps de gosser après ton téléphone pour changer l'épisode. Fait que non, c'est vraiment le fun, mais ce que tu as dit qu'il gens sont euh, puis en plus, le, le, le format auditif, c'est un format qui est, qui est chaleureux. Mmh. En que sens qu'on n'est pas distrait par. C'est ironique un peu de dire ça, mais le format visuel, euh, c'est un format qui te donne plus d'informations, de, de, parce que tu as l'air visuel en plus qu'auditif, mais en, est, en donnant plus d'informations, on dirait que c'est un média qui est plus froid, qui est plus impersonnel que lorsqu'on écoute quelqu'un dans le creux de notre oreille, quand on est en train de. Qu'on s'insère dans le quotidien des gens, dans leurs activités qu'ils font tous les jours, on dirait que tu viens chercher une espèce de degré de connexion qui, 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 qui est supérieur à ce moment Qui est plus intime. Qui est plus intime. Ton engagement va être meilleur. Puis il y a aussi le fait que ça va changer la façon de communiquer. Tu sais, ce qu'on est en train d'avoir comme discussion, il y a du non-verbal qui passe, il y a des gestes qui passent, il y a des, 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 des mimiques qui passent, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de dire. Puis on se comprend dans notre réaction quand même. Mm -hmm. Dans la façon de communiquer, quand on est simplement à l'audio, il y a des choses qui ne passent pas comme ça. Ouais. Fait que les gens qui prennent à la base que de la vidéo pour faire de l'audio, OK, comme tu fais sur ton podcast, pour moi, ma façon de penser par rapport à ça, c'est que ce n'est pas optimal dans la façon de créer l'audio. Parce qu'on prend une vidéo à la base où il y a plein de choses qui se passent avec autre chose que la voix et le son. Puis on va aller le mettre après ça en audio. Puis il y a des, il y a, il y a très certainement des, s'il si, y a des gens qui nous écoutent présentement en audio, il y a très certainement des, des gens qui se demandent qu'est-ce qu'on est en train de faire avec nos, parce que là, je viens de parler de mimique, je viens de parler de gestes. De, il, probablement que les gens se demandent ce que je suis en train de faire avec mes mains présentement. Et, ouais. et, et il y a beaucoup de gens qui utilisent ça en vidéo. Puis ce que je dis, c'est à rien faire, tu es aussi bien de faire ta vidéo, puis de prendre l'audio, puis de la mettre en podcast. Définitivement. Euh, mais, mais si tu veux optimiser ta façon de faire, ben, tu dois, euh, à mon sens à moi, faire l'audio pour de l'audio. Hmm. Puis, euh, une autre chose que tu as dit qui est intéressant aussi, c'était au niveau de les invités que tu reçois. Euh, ton ami qui a, qui a une agence web qui, qui fait de la course, euh, ben, les invités qui amène à son podcast, ça leur donne, ça lui donne une occasion de connecter avec d'une façon significative qui fait en sorte que ça peut devenir un, un prospect ou un client éventuel. Donc, ce n'est pas non seulement pour ton audience pour être capable de générer euh, une certaine crédibilité vis-à-vis de vis vis ton public cible, mais c'est aussi pour connecter avec des entrepreneurs de haut niveau dans une niche dans laquelle tu veux te, te positionner. Te positionner ben, définitivement. Puis tu sais, au-delà de ça, je te dirais que dans l'ensemble des gens que j'ai reçus sur mon podcast, si je t'avais pas reçu sur mon podcast initialement, je ne serais pas assis sur chaise ici présentement. Ah peut-être, peut-être. Je ne sais pas par oui. quel chemin j'aurais passé. Mais, <laughs> bref, ce que je veux dire, c'est que très souvent. J'ai la chance de recevoir des invités incroyables sur mon podcast. J'ai reçu, dans les, dans les 18 premiers mois sur mes podcasts, j'ai reçu 31 millionnaires. OK? Dont tu fais partie? Non. J'ai reçu, 30... un... ah, reçu 30. C'est lui, c'est Scotch qui vient d'embarquer. J'ai reçu 31 millionnaires. Ben, oui, Ben Et c est, c est, c est, c est, ces personnes-là, ben, je me suis efforcé le plus possible de garder des relations avec eux. Parce que je me dis, éventuellement, peut-être qu'ils vont avoir besoin de moi, peut-être que je vais avoir besoin d'eux, peut-être qu'on va pouvoir échanger sur plein de choses. Merci. Qu'on va pouvoir échanger sur plein de trucs. Et euh, la clé dans tout ça, c'est vraiment de continuer à garder les relations. Mais l'ouverture, la porte qui s'ouvre, elle provient essentiellement du fait que tu as un show, tu es capable de donner une tribune, tu es capable de faire en sorte que cette personne-là vient sur ton show et va être écoutée et entendue par plein de monde. Donc, tu lui donnes quelque chose avant de demander quoi que ce soit. Ouais. Et ça, c'est la clé dans bien des choses. Parce qu'après ça, effectivement, ces gens-là peuvent éventuellement peut-être faire de la business avec toi s'ils si ont des besoins spécifiques. Dans mon cas, moi, peut-être en article promo, peut-être au niveau du podcast, peut-être simplement juste comme ça. Euh, moi, je peux être utile pour ces gens-là plein, de, de plein de façons aussi. Mais ne serait-ce que juste d'avoir ces gens-là dans ton réseau. Parce qu'éventuellement, s'il y a quelqu'un qui vient vers toi, Ali, puis te demande. Si tu, si tu connais quelqu'un qui, qui peut l'aider dans son podcast, probablement que la personne numéro un à qui tu penses, c'est moi. Exact. Donc, dans, dans cette optique-là, c'est un peu la même chose, probablement, pour les 110-120 invités que j'ai eus à travers les deux années que j'ai faites de podcasting. Et c'est la même chose au niveau des articles promo. Ces gens-là, je leur remets des articles promo. Il fut un temps où, pendant mes podcasts, après l'épisode après de podcast, je prenais l'adresse des gens et je leur envoyais une carte postale. Les gens recevaient une carte postale après, simplement pour les remercier d'avoir participé sur un de mes podcasts. Qui, aujourd'hui, envoie des cartes postales? Personne. Personne. Donc, ils recevaient une carte postale, ça leur faisait un reminder de, ah oui, c'est vrai. Bon, le podcast, first. Deuxièmement, qui je suis. Troisièmement, ah, c'est vrai, il fait des articles promo, lui, parce que la carte postale était brandée. Hmm. Donc, nécessairement, si... La majorité de ces gens-là étaient des entrepreneurs. Éventuellement, peut-être qu'il y avait, des, il y avait des, des fits avec ça. Il y a eu plusieurs fits qui sont arrivés de ça, du monde du podcast. Il y a eu plusieurs... Euh, clients qui sont venus de là. Donc, j'ai eu, quand tu disais, tu parlais de 200 000 tantôt, c'est des, des, des trucs qui sont venus directement à partir du podcast sur des produits que j'avais soit à vendre ou soit des, des, des gens que j'ai dirigés vers des phonos qui éventuellement euh, achetaient des, des, des produits de moi. Ou c'est de l'indirect comme ça, comme on parle là, c'est-à-dire que les gens avaient moi. Hey, c'est vrai, toi, tu fais de l'article promo, tu peux peut-être m'aider, je cherche telle affaire. Oui, tu peux t'aider définitivement, blablabla, bla bla, pouf. Fait que là, c'était par, 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 par indirect dans le fond parce que ça passait par moi pour aller à l'entreprise d'articles promo, mais dans le fin fond, le podcast initial, ça n'avait aucun rapport avec les articles promo. C'était vraiment juste le fait d'être en contact avec cette personne-là. Mm -hmm. Puis, euh, tu as dit aussi que c'est le fun à cause que la personne elle pouvait se faire les dents sur ce médium-là. Puis, ça, ouais. c'est quelque chose qu'on que, qu parle pas assez parce que c'est une partie importante de n'importe quel projet ce que tu fais. Qu Au début, chaque tu tu vas y aller, tu vas commencer petit, puis à travers le temps, tu vas te familiariser avec plein de choses. Au début, tu commences juste avec. Euh, Juste enregistrer un appel que tu fais avec quelqu'un, pour toi c'est difficile techniquement. Puis le fait de le faire, c'est un accomplissement, puis c'est un accomplissement. C'est faut prendre chacune des petites victoires au fur et à mesure euh, qu'elles arrivent. Puis la première fois, ton son n'est pas bon, il y a des bugs techniques comme en ce moment. Je sais pas si. Je ne sais pas si ça s'est arrangé, Mélodie. Ça ressemble à quoi? C'est moyen dans les commentaires. Y a-t-il des gens dans les commentaires qui disent que tout est correct, que le son est correct, que ça fonctionne bien? Euh, parce que peut-être que c'est juste le temps que Facebook encode. Non? Mais tu peux parler en micro, mais non pas. Ben. Allez, ouais. mmh. Mais là, j'ai un nez. C'est comme Jamie dans le podcast de Joe Rogan. Ouais. Elle s'en vient, là. Euh, bon, ben tous ceux qui écoutent en live, je suis vraiment quand même désolé pour vous autres. Euh, le podcast va être. On va réuploader en format vidéo. On va continuer de, de, de faire ça de la façon qu'on est en train de le faire. On va le mettre ça en ligne. aussitôt euh, que le podcast se termine, dans le fond. On va prendre, j'espère qu'il n'y aura pas de bug dans la vidéo parce que là, ça, ça va être moins de fun. Mais euh, sinon, on est ici jusqu'à 3 h du matin. Si on est parlent. ici jusqu'à 3 h du matin, on recommencerait, il n'y aura pas de problème. <laughs> T'as-tu des trucs pour aller euh, chercher des, des, des personnes intéressantes à interviewer? Tu parlais de faire, juste avant, tu parlais de faire les dates tantôt. Ouais. Bon, j'aimerais ça. <laughs> si, vous voulez trouver, si vous voulez rire, là, allez sur l'accélérateur, faites un, une recherche dans iTunes, allez sur l'accélérateur, puis allez écouter. Épisode 1, 2, 3. Puis après ça, écoutez l'épisode 211 qu'on vient de faire, 210, 211, allez écouter ça. Puis écoutez la différence entre les deux. Il y a juste deux ans entre les deux. Là. Pas, mm. euh... Puis j'ai pas un studio comme ici. Oui, j'ai amélioré mon équipement, oui, j'ai amélioré mes techniques, oui, j'ai amélioré mes techniques de montage, mais faut la pas différence. que ça vous arrête. Il ouais. faut, faut pas que le fait de, de sonner creux au début, de sonner so-so, ça vous arrête. Parce que sinon vous ne démarrerez rien là, ça c'est sûr, certain. Fait... J'étais comme ça au début. Au début, je scriptais à peu près tout ce qu'il y avait à faire dans mon podcast. Mmh. Fait que ça sonnait comme quelqu'un qui lit un article de blog. Ça ouais. sonnait même. Là. Fait que c'était atroce. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais en tout cas, vous, je, je veux juste faire ça comme ça. Je vais laisser les, les gens euh, aller jeter un coup d'œil là-dessus. Ouais. Invité. <laughs> euh, ouais, euh... ouais. Tu parlais d'invités. Ben, écoute, euh, les façons faciles de faire ça, c'est premièrement de se pointer à, aux endroits où nos invités potentiels vont potentiellement être. Ça, c'est la première chose, évidemment. Euh, moi, dans mon cas, ma grosse plateforme sur laquelle je, je, je rayonne un peu plus, c'est LinkedIn. Je rayonne quand même pas mal sur LinkedIn. Je, si les gens veulent venir se connecter avec moi sur LinkedIn, c'est à peu près l'endroit où je suis le plus actif. À cet endroit-là, je peux poser des questions. Euh, J'ai posé une question récemment sur un post. J'ai posé à un moment donné. Euh, J'ai demandé si vous. J'ai commencé le post en disant :« Vous êtes la somme des cinq personnes que vous avez le plus proche de vous à l'intérieur de, de, de votre cercle, de, dans votre réseau. Euh, si vous aviez l'occasion de prendre un café avec une personne que vous aimeriez avoir dans votre cercle de cinq, qui serait-elle » Et là, il y a eu un paquet de gens qui sont venus me donner des réponses. Et ça, c'est des invités potentiels pour éventuellement amener sur un podcast. Mmh. J'ai déjà des invités qui ont été approchés de ça parce que ce poste-là sert de façon incroyable à dire, ben garde j'ai un podcast, j'ai au-dessus de 200 épisodes présentement, et j'ai un public qui demande de t'écouter sur mon podcast. Ouais. Alors, s'il te plaît va à telle adresse pour aller sélectionner la date qui convient pour toi. Hmm. fait que c'est aussi facile que ça. Bon, les gens vont dire, moi, je n'ai pas 210 épisodes, je n'ai pas commencé encore, mais la technique est essentiellement la même chose. C'est sûr qu'au début, on va se concentrer sur des gens pour se faire les dents, on va se concentrer sur des gens qui sont proches de nous, des gens qu'on connaît bien, des gens avec qui on va, nous, en tant qu'intervieweurs, en tant que, si on, veut, si on décide de faire de l'interview, avec lesquels on va être à l'aise. J'ai ouais. un show de radio maintenant qui, qui est issu du podcast. Il y a une station de radio qui m'a approché. Le dernier épisode qu'on a fait ensemble, c'était à, à cette station de radio-là. La station de radio m'a approché en me disant J'ai écouté ton podcast, je trouve ça vraiment cher. Propose-nous un, un, un concept d'épisode, un concept d'émission, puis on va te donner une heure live le mercredi midi. Tu vas pouvoir avoir une heure. Fait que je leur ai proposé quelque chose qui était hybride podcast et émission live à la radio FM. Et puis, euh, Évidemment, ça a fonctionné. Fait que depuis ce temps-là, depuis le début de l'été, je suis euh, là directement. Donc, ces gens-là, c'est relativement facile d'attirer des gens dans la radio, évidemment, parce que c'est un studio de radio. Les gens, le, 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 le studio en question est à Longueuil. Donc, tous les gens de la région de Montréal, on peut attirer ces gens-là directement sur place. Et euh, par la suite, ben, euh, je fais un, un épisode de podcast par la suite euh, directement là en studio que je vais aller mettre sur mon podcast. Euh, Directement juste pour le podcast. Donc, euh, donc, ça, c'est un autre exemple de, de choses qui peuvent découler directement du, du podcast parce que c'est arrivé du champ gauche, cette opportunité-là, si on peut dire, est vraiment arrivée du champ gauche. Oui, oui, oui. Puis en même temps, euh, ce que, que tu as mentionné au début, c'est de simplement inviter des gens avec qui tu es familier, avec qui tu sais que tu vas avoir une Ah, c'est ça que je voulais dire par rapport euh, à ça. Ouais, <laughs> C'est ça que je voulais dire par rapport à ça, c'est vrai que ce que je, je voulais dire, c'est que le premier invité que j'ai eu à la radio, comme c'était nouveau pour moi, ouais. le monde de la radio, le studio live, premier invité, c'est le gars qui m'a initié au podcast, mon grand chum de collège, hockey, et, et là, ben j'ai du tu t'as pas le choix. Puis moi, j'ai fait la même chose avec mon, mon premier épisode de podcast, c'était avec euh, David Grégoire. Euh, qui a été mon patron chez Voyage à c'est mm -hmm. un très très bon ami. C'était super facile pour moi de, de l'interviewer. Non seulement ça, mais c'est une personne que tu peux lui poser une question puis il parle pendant une heure et demie. C'était un épisode le ouais. plus facile et les plus apprécié d'ailleurs euh, que, que, que j'ai reçu. Après ça, j'ai reçu euh, Philippe Kipriano que lui aussi, est, il est super facile à interviewer. Donc au début, tu prends des personnes qui sont faciles, tu prends des personnes que tu sais qui sont à l'aise, qui ont déjà fait des podcasts. Euh, puis après ça, progressivement, mais tu, moi, ce que, ce que j'ai utilisé comme stratégie, c'est euh, utiliser le format que j'avais et la visibilité que j'ai eue comme preuve d'impact de, de, potentiel pour les gens qui vont venir sur le podcast par la suite. Donc, euh, le, les podcasts que j'ai fait, euh, que j'ai publié sur Facebook, mais moi, ce que je fais, c'est que je prends la publicité Facebook je promouvois ce podcast là pour avoir au moins 50 000 ou 100 000 vues sur ce podcast là. Fait qu'après ça, quand tu t'en vas approcher un, un entrepreneur qui est occupé, tu lui dis regarde moi je te garantis au moins 100 000 vues sur, sur le podcast. Mais cette personne là va faire comme OK, ben ça va valoir le temps que je vais passer à faire ce podcast là. Et euh, si c'est un format audio uniquement, ben c'est encore bien plus facile. Ben oui. à, à cause que ben, la personne n'a pas besoin de se déplacer, elle peut le faire à partir de chez elle. Mm. Euh, je préfère le format euh, vidéo parce que ça oblige la personne à se déplacer. Ouais. Fait que le fait de faire en sorte que ça c'est un petit commitment de plus, mais en même temps, mais, mais ça fait en sorte que, en plus, ils repartent avec une bouteille de scotch. Non, non, mais c'est parfait. <laughs> <laughs> moi, je me rappelle juste le podcast que j'ai fait avec, euh, avec Serge Bauchemin, avec Nicolas Duvernois, euh, mais si on s'était déplacé pour lui, avec François Lambert, puis après ça, on s'est reparlé par la suite, puis c'est comme si euh, on. on on était des chums qui se connaissaient depuis longtemps. Exact. Tu sais, depuis... Non, non, cet impact-là, tu l'as à l'audio seulement. Là. Tu vas l'avoir aussi. Oui, il y a un peu plus d'ouvrage pour la garder. Moi, ce que je, ce que je dis, c'est que si tu veux développer cette relation-là, euh, avise la personne que tu vas avoir un chit-chat avant puis après. Ouais. De quelques minutes. Tu n'as pas besoin d'avoir une demi-heure avant puis une demi-heure après. Un 5-10 minutes avant, 5-10 minutes après, c'est suffisant. Puis après ça, ben, commenter l'entrevue, etc. Et, bon, puis au début, ben, prendre connaissance avec cette personne-là. Et ça, ça va faire définitivement une différence en bout de ligne. Mm -hmm. Mais j'ai aimé ça parce que, juste pour faire une petite parenthèse sur ce que tu disais, j'ai aimé ce que tu as marqué dans le, le courriel que tu as envoyé sur l'infolettre sur de la tranchée hier. Mm -hmm. Quand tu as parlé du fait que tu avais reçu énormément des gens qui étaient moins connus qui sont passés aussi sur ton podcast. Ouais. Euh, et ça... On le remarque souvent, et c'est quelque chose qu'on enseigne dans l'académie parce que très souvent, les gens qui vont lancer leur podcast prochainement vont penser qu'il faut qu'ils invitent les A-listers, qu'on appelle, les, les gens qui sont hyper populaires, qui ont des gros réseaux et tout ça. Ce sont pas toujours, mais souvent, les personnes qui vont partager le moins et qui vont faire le moins pour. Ouvrir la porte à, à, ouais. à, 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 à l'épisode que tu vas avoir fait avec, avec eux. Fait que, ça, c'est indéniable et les B puis les C puis les D listeurs, eux autres, ils vont tellement se démener pour te donner le maximum d'exposure pour ton épisode parce que ça bénéficie à eux aussi. C'est le principe d'association. Mm -hmm. Par principe d'association, ils sont associés à quelqu'un qui a un podcast, qui a déjà un show. Qu'on le veuille ou non, la journée qu'on a un podcast, on devient une coche au-dessus de ce qu'on est avant la journée qu'on l'avait. En fait, toutes les gens qui pourraient venir sur le podcast vont te voir d'une façon différente, parce que là, t'es plus juste une personne qui vend un produit ou un service, t'es une personne qui peut leur donner une visibilité. Exact. Euh, fait que t'es rendu qu'il y a une utilité... Euh, autre. Autre, fait que tu vas te faire utiliser. Euh... <laughs> non, mais utiliser, mais dans le bon sens, dans le mais sens oui. que t'es pas, pas juste là pour... Ils peuvent pas juste utiliser pour ce que tu leur donnes comme service ou comme bien normalement. Non, mais c'est mutuel, c'est mutuel, On s'utilise mutuellement, c'est consentant. Non, exactement. Tout est correct, moi j'ai rien contre ça. C'est ça, c'est ça. Exactement. Sans oui, c'est non, mais s'il y a un oui, il n'y a pas de problème. Bref, c'est ça. que ça, au niveau des invités, c'est vraiment la clé. Et de faire une... Une belle variation de ABC, si on veut, si on veut les appeler comme ça, des gens plus populaires, un peu intermédiaires, puis moins populaires. Une belle variation de ça à travers nos invités. C'est souvent très winner parce que ça va nous amener une foule de choses. Tu sais, les A-listers vont te permettre d'aller chercher d'autres A-listers. Oui. Le, 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 les B, les C, les D vont te permettre d'avoir énormément de contenu. Puis très, très souvent, c'est ces gens-là qui... Très souvent, c'est des gens comme ça qui t'amènent le meilleur contenu. Ces gens-là vont te donner tout ce qu'ils ont. Mais tu sais, on parle de Serge Bauchemin, on parle de Daniel Henkel, on parle de François Lambert que tu as parlé, euh, Martin Latulippe que tu as reçu. Ces gens-là, ils en font, ils en ont fait des centaines d'entrevues, si ce n'est pas des milliers d'entrevues. Ils se sont fait poser les mêmes questions constamment, des centaines et des centaines de fois. La clé, c'est d'arriver avec une question du champ gauche. En début d'épisode, pour les amener ailleurs, pour les raccrocher sur quelque chose. Et là, on a une, un filon intéressant pour le reste ouais, de notre vie. Ouais, ouais, je me rappelle tout ça. D'ailleurs, Martin, Serge, euh, Nicolas, j'avais tout écouté les podcasts qu'il avait fait là, avant euh, pour justement essayer de les emmener dans une autre direction complètement. Euh, Serge ça a été vraiment intéressant, je vraiment surpris par le, 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 le contenu qu'on a. Euh, qu'on a abordé, jamais je me serais attendu à ce qu'on ait euh, dans un champ philosophique qui a quasiment plus de temps bon, rapport vrai. avec, avec l'entrepreneuriat. C'était super le fun. Euh, puis il y en a d'autres que peu importe la question que tu poses, ils vont trouver une façon de ramener ça à leur cassette. C'est fatigant, mais bon, c'est pas grave. C'est du bon contenu pareil, oui. c'est juste que c'est pas différent. Puis, tu sais, quand tu fais des entrevues, tu sais, c'est pas un art en même temps d'écouter les personnes, de, 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 de savoir, de voir un petit peu le. le Qu'est-ce qu'il pense réellement, puis où est-ce qu'il aimerait s'en aller, mais qu'il n'ose pas nécessairement faire. C'est difficile d'être un, un, un bon intervieweur. Euh, et non seulement ça, mais de ne pas oublier les questions qu'il fallait que tu poses <laughs> au fur et à mesure. Toi, ça fait ça des fois. Tu vas même parler à quelqu'un, puis là, tu, tu pars dans une direction, puis tu fais comme Je savais que je voulais l'amener quelque part, mais j'ai complètement oublié. parle de As-tu des trucs pour euh, donner les meilleures entrevues? Euh. Le... Se préparer. Tu l'as dit tantôt, aller, ouais. aller écouter les autres, les autres podcasts que, que ces gens-là vont avoir fait, les autres entrevues qu'ils vont avoir fait, essayer d'avoir le plus de données possibles. Mais souvent, je vais essayer d'avoir des données qui sont plus personnelles sur ces gens-là. Puis si tu regardes les entrevues qu'on a fait ensemble, Olivier, il y a toujours au moins une ou deux questions qui a rapport avec Olivier lui-même. Pas euh, double ta valeur, pas. Euh, la tranchée, pas euh, le nombre de clients, le nombre de clics, la conversion. Non, pas ça. Olivier, lui, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en vacances. Veux-tu me raconter tes vacances? Tu es allé en vacances, puis là, il est arrivé des affaires en vacances. T'sais, on s'en va à un endroit où il, les autres personnes ne sont pas allées. Là. Ouais. Même si ce n'est pas pertinent par rapport au sujet de qu ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas grave. L'important, c'est de connecter de façon émotionnelle avec la personne. Ça, c'est la clé de pouvoir avoir, établir la connexion, puis après ça, d'aller ailleurs. Mm. Puis la, la, la meilleure façon, euh, je, récemment, j'ai donné une entrevue à quelqu'un, puis j'ai récupéré une question que cette personne-là m'a posée. Puis quand elle m'a posé la question, j'ai eu un blanc pendant au moins 7-8 secondes. Et fait comme, il n'y a jamais personne qui m'a posé cette question-là. Tu sais, maintenant, à force de faire des entrevues, j'ai commencé, moi aussi, à aller sur plein de podcasts, puis tout ça. Puis. Ça finit que c'est toujours les mêmes questions ou à peu près. Tu sais. Mais cette question-là, c'était la première fois que je l'entendais. J'étais comme OK. Euh, ben, puis là, j'ai vomi quelque chose. Mais là, on parlait des questions euh, à poser pour être de, de donner les meilleures entrevues. Tu as mentionné euh, il faut, c'est la préparation qui est le plus important. Regardez, c'est quoi les questions qui ont été posées aux gens. Les, parce ben, qu'ils sont habitués tout le temps dans les ouais, mais. Puis je ne dis, dis pas de ne de, de, de pas aller là. C'est pour ça que je dis. Il y a des questions que tu n'as pas le choix. T'sais, si ouais. je parle de la tranchée, je veux dire, je ne pourrais pas réinventer la façon de parler de la tranchée. Là. Je veux dire, la tranchée, ça va rester la tranchée. Puis quand je vais te demander à quoi ça sert la tranchée, je veux dire, qu'il y en ait sans autres qui t'ont posé la même question avant, il reste que la réponse, va finir par se ressembler. Mmh. Ça, c'est correct. Si c'est de ça qu'on parle dans le podcast, c'est correct. Sauf que ce que je veux dire, c'est que si on veut amener l'attention de notre invité chez nous et être maître de notre entrevue, on doit connecter ailleurs qu'ici. Il faut le descendre ici. Puis ça, c'est la clé, c'est la question, qui, question va, qui va te ramener dans la question personnelle au début qui va te ramener vraiment ailleurs. Hmm. OK. Puis c'est quoi tes exemples de questions, à part celle que tu viens de mentionner qui était très très bonne, t'en as-tu d'autres, comme ça des questions qui sont Écoute, il euh, y a des questions par rapport au parcours. Souvent, les, des questions par rapport au parcours, le, 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 le moment, le moment à clé, le moment à déclic, ces choses-là, puis on peut souvent… Parce que le moment déclic, souvent, c'est quelque chose qui vont se faire poser comme question souvent. T'sais, Qu'est-ce qui a fait que ça a démarré tout à coup? Tu sais, C'était quoi le moment pivot de, ta, de, ta, de ton entreprise? Souvent, ça, ils se sont fait déjà poser cette question-là. L'idée, c'est d'écouter la réponse qu'on va obtenir, puis de rebondir sur ça avec une sous-question qui va approfondir un peu plus loin par rapport à ça. Pour vraiment essayer d'aller connecter à un autre niveau par rapport à ça. Mm -hmm. Mais ça ouvre la porte à quelque chose d'un peu plus personnel. Tu sais, on a parlé de la peur tantôt, on a parlé des. Tu sais, il peut y avoir plein de sujets, mais des sujets en lien avec ton parcours. Des sujets en lien avec ce qui s'en vient dans le futur, c'est quoi les rêves, c'est quoi les buts. Donc là, encore là, on n'est plus dans le. Oui, la première, la, la première couche de notre, la réponse de notre invité, elle va souvent être quelque chose de très célèbre. Mais à partir de ce moment-là, on va vouloir aller travailler, aller plonger un peu plus dans le fond. Qu'est-ce qui se passe exactement et où on, on. Avoir le fond. Oh! Ça y est! <laughs> avoir le fond, la, le fond de la pensée définitivement. Fait ça, c'est des choses qui sont intéressant. D'ailleurs, dans la formation qu'on a fait, qui est sur la tranchée, il y a un listing de 20 questions pour permettre d'aller plus loin dans les entrevues et pourquoi ces questions-là fonctionnent. Donc, hmm. il, y a, il y a une question par rapport au, au parcours, par exemple, puis c'est des questions qui sont génériques, qui peuvent être adaptées en fonction du sujet, de l'invité ou peu importe. Fait que, peu importe le sujet qu'on va avoir pour notre podcast, les 20 questions vont fonctionner. Hmm. Fait on va récupérer cette question-là, on va l'adapter à l'invité, on va l'adapter au sujet, puis on va shooter cette question-là de cette façon-là. Il y a 20 questions qu'on peut moduler, adapter, personnaliser. J'aimerais qu'on qu bouge un petit peu la conversation vers le volet promotion. on as un podcast, tu sais de quoi tu vas parler, euh, tu es capable de trouver des invités qui sont, qui sont relativement corrects, la technique... bon ceux qui sont intéressés par la technique, qui iront regarder la formation sur la tranchée parce que c'est pas quelque chose qui est nécessairement intéressant à discuter euh, mm -hmm. euh, comme ça euh, à moins que es vraiment geek puis on pourrait peut-être faire ça mais après. Euh, <laughs> Facteur ton podcast, comment est-ce que tu fais pour le promouvoir Comment est-ce que tu fais pour aller faire grossir ton audience avec le podcasting okay. euh, Promouvoir son podcast, ça se fait un peu de la même manière qu'on va faire pour promouvoir un article de blog. Okay? à la base, c'est ça. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Google qui a ajusté son algorithme pour faire en sorte que, enfin, nos fichiers audio peuvent commencer à être référencés. Mm. Okay? Donc, ça, c'est nouveau, c'est très nouveau. Là. Ça fait quelques semaines à peine. Et ça amène éventuellement le prochain step de Google qui est annoncé. D'ailleurs, si, si jamais ça vous intéresse d'aller voir l'entrevue que j'ai euh, faite avec euh, Zach Renaud-Vedine qui est le directeur de Google Podcast. Google Podcast, c'est l'application que Google a, dé a développée l'an dernier pour compétitionner iTunes. Donc, la machine Google compétitionne la machine Apple et ils ont développé cette... Euh, parce qu'avant, ça s'écoutait avec Google Play, Là, qui, était vraiment on, pas bon. qui était à chier, et maintenant, ils ont fait Google Podcast, qui est vraiment dédié podcast, et la réponse de Apple à Google Podcast arrive dans Quelques jours, mm. parce qu'ils ont, ils ont annoncé en mai qu'ils splitaient euh, qu iTunes en trois sections distinctes, dont une et une traque expressément pour le podcast, un peu comme Google l'a fait. Okay. Donc, je pense que c'est vraiment carrément une réponse euh, directe à ce que, ce que Google a fait. Euh, et j'ai reçu le directeur du département complet de Google Podcast sur mon show, épisode 2 de l'Académie du Podcast. Si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil, sur ce qui avait été annoncé à ce moment-là, en août 2018, qui s'en venait dans les prochains 12 à 18 mois, vous allez voir est ce, qui, ce qui a été fait déjà, qui avait été annoncé à ce moment-là, et ce qui a été annoncé à ce moment-là, qui n'est pas fait encore, donc on peut penser que ça va arriver d'ici la fin de l'année ou au début de 2020. Euh, une des choses qui avait été annoncée à ce moment-là, c'est qu'il voulait euh, accorder la possibilité de référencer exactement ce qui est dit à l'intérieur d'un fichier audio. Et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas faisable parce que concrètement, YouTube est capable d'extraire des sous-titres d'une vidéo. Ouais. Donc, elle, Google écoute ce que tu dis dans ta vidéo et te fait des sous-titres. Donc, elle est capable de comprendre, non, elle n'est pas capable de comprendre, mais elle est capable de détecter ce que tu dis dans ta vidéo. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas capable de le faire dans un MP3 alors qu'elle est capable de le faire dans un MP4. Ouais. Ça prend beaucoup moins de, de processing power. Process. Bon, à la base, et... c'est ça. Sauf que dans sa machine, présentement, ce n'est pas complètement programmé à mmh. Google et ça va être fait dans les Donc là, ça, ce que ça veut dire concrètement, on va être capable d'aller décrypter tout ce qu'on est en train de discuter et de référencer ton fichier audio directement quand quelqu'un va poser la question exactement pour retourner ce fichier audio-là en résultat de recherche. Première chose. Deuxième chose, les euh, haut-parleurs intelligents. C'est là où je voulais en La les... vocal assistant. Exact. Donc ça, c'est en hausse incroyable. Ouais. De 2018 à 2019, il y a eu 47% plus de gens qui ont doublé le nombre de haut-parleurs intelligents qu'il y avait dans la maison. Hmm. 47% des gens qui avaient déjà un haut-parleur en ont maintenant deux ou plus. T'en as, as-tu Même pas. T as, t es... Non. Pourquoi? Euh... Il y a un dans la pièce ici. Non, pourquoi? C'est une bonne question, pourquoi? Tu, tu vois, ça, c'en ça est une bonne question. Je vais te dire, j'ai une femme qui est vraiment pas techno. OK. Mais comme pas du tout techno. Fait pour elle, il n'y a pas d'utilité à avoir un truc comme ça. Je choisis mes combats. OK, je vais juste te dire quelque chose. Chez nous. Fait, mes, mes rideaux sont automatisés. <laughs> <Vous> y... <laughs> Alexa, close the blinds. Mais ben c'est des c'est des, des shades, c'est des, des des rollers. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Des stars verticaux. Euh... Ouais c'est ça. Place se ferment, tout seul. Ouais. ça. C'est magique. Mes lumières s'ouvrent. Ma porte d'entrée s'ouvre. Ma sonnette. C'est magique. Ici même dans, dans le studio on a toutes ça, Alexa. Oh Je suis d'accord avec toi. Mais, Mais bref. Tu me donneras ça. Le l'adresse email de ta femme. Oui. <laughs> Je vais lui écrire. inquiète pas, je vais te mettre en CC. <rire> <rire> OK. <laughs> J'accepte avec grand plaisir. Euh, on donc, parlé, ce que je on disais, c'est que les commandes en vocales ouais. vont retourner en résultat de recherche en priorité des fichiers audio. Ouais. Donc, vu qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent cette, cette technologie-là, automatiquement, les fichiers audio qui vont être qui vont être inspectés, si on peut dire, qui vont être euh, scannés par l'algorithme, la, vont retourner exactement ce que... Euh, donc, tout ce qui est compétence et tout ça dans Alexa, de tous les, 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 les trucs que là, c'est sûr qu'il va y avoir un paquet de trucs qui vont euh, popper du fait que euh, l'algorithme va devenir plus performant versus les fichiers audio. Et euh, évidemment, à partir de là, on va de, le podcast va devenir, à partir de ce moment-là, va devenir aussi puissant en termes de référencement organique que l'écrit ouais. et que la vidéo évidemment. Mm -hmm. Puis ça fait un certain temps que Google a commencé à quand, quand tu poses une question ils vont te donner un extrait d'article dans lequel la réponse se trouve. Fait que ça c'est juste de penser à ça parce que au début j'étais voir une conférence sur le SEO il y a deux ans parlait justement des assistants vocaux de l'optimisation à faire avec les, les assistants vocaux puis j'étais comme bah, c'est qui qui veut comme, poser, poser une ouais. question de même à, à Google? Je ne sais pas. Tu sais. Depuis ce temps-là, ben, j'ai acheté des Alexa partout, partout chez moi puis je pose fréquemment des questions euh, à Alexa. puis Alexa est quand même très stupide. Euh, que ça ne me donne pas grand-chose de se poser des questions. mais Quand l'utilité va venir, je pense qu'effectivement, les podcasts vont être, vont être intéressants pour ça. Mais en même temps, c'est pas un clic sur ton site web. Euh, la personne ne va pas être tant engagée que, que ça avec ton podcast. C'est pas elle qui a décidé d'écouter ton podcast. Ça ne va pas l'avoir écouté au complet. Euh... Moi, je pense que si la personne vient chercher une information précise sur un sujet pour, qui mérite une recherche vocale, mm -hmm. comme j'ai dit, l'algorithme va t'amener à 732, par va te donner la réponse, à 732, de 732 à 747, puis ça va être ça la réponse. Si la réponse fait ton bonheur et que tu te demandes qu'est-ce qui a été jasé dans les 92 autres minutes de ce podcast-là, ça se peut qu'à ce moment-là, il y ait le clic. Présentement, il n'y a pas de clic. Oui, mais il n'y aura pas de clic avec un, un Google Home, par contre. Non, mais on va probablement pouvoir lui demander d'écouter l'épisode au complet. Ah, probablement. Ouais. Tu sais, quelque chose comme ça. Fait que je me dis euh, à ce moment-là, il va y avoir une découvrabilité qui va être beaucoup plus intéressante. Mm -hmm. Déjà qu'on l'a la découvrabilité qui est vraiment plus intéressante. Euh, il y a eu les statistiques qui ont sorti, les statistiques 2019 de Edison Research ont sorti il y a quelques semaines à peine. Et au Canada seulement, la tranche d'âge 29-45 est en hausse de 16 sur la découvrabilité du podcast. Donc, ceux qui écoutent un podcast, au moins sur une base mensuelle, en hausse de 16 dans la seule année 2019. Ben, en fait, les autres ne sont pas sur une année complète, là, sont achetés euh, sont sur une année, mais quand même, là, dans la dernière année versus l'autre année avant, 16 d'écart. C'est incroyable. Si on parle d'une tendance généralement... À, à 3, 4, 5 on va commencer à parler d'une tendance. Mmh. À 16 pour cette tranche d'âge-là, c'est juste complètement fou. Le 18, 25 n'a pas changé énormément, un peu, 3-4 quelque chose comme ça. Puis la, la tranche d'âge suivante, le 56 ou 55, je ne sais pas trop, là, euh, ça a bougé un peu aussi. Mais la, la, grosse, la, la grosse tranche d'âge qui est en hausse, c'est 29-55, je pense, ou quelque chose comme ça. On peut regarder les grosses machines aussi. Là. Il y a Cube Radio qui a lancé l'année passée, Québecard. Okay. Il y a Radio Cannes qui avait été lancé il y a un an et demi, deux ans, à peu près ou trois ans. Podcast, Excuse? Ils ont des podcasts? Radio -Can? Ouais. Oui. Ils ont ça, ça. Plusieurs. Ouais. Oui. Plusieurs. OK. <rire> <rire> euh, il y a, il y a, maintenant, il y a à peu près toutes les chaînes télé qui ont leur podcast. les RDS de ce monde, les téléosports, ont un dérivé d'une émission télé. Qui est un podcast ou un dérivé d'un podcast qui devient une émission télé. Mm. Dans le cas de Téléosport, c'est le show du matin qui est commencé comme un podcast, qui devient une émission à la télé et qui retourne comme un podcast. C'est fou, qu'est-ce qu'on est en train de voir comme façon de voir, façon d'évoluer de, de, avec le podcast. Cube Radio, qui prend ses. ses, ses euh, en fait, c'est Québécois, qui est allé chercher ses animateurs les plus controversés pour okay. les amener sur un format. Qui n'est pas réglementé. Hmm. J'avoue. Effectivement. Le CRTC ne peut pas se pointer et dire. Exact. Là, non, tu non, peux non, dire non. ce que tu veux mm -hmm. avec Dutrizac, il s'amuse. Ouais. Hein? Un exemple. On pourrait dire N'importe quoi. Là. Exact. Quoi. Ouais. Dis donc quelque chose que tu n'as jamais dit. Euh, j'ai jamais dit que euh, j'ai jamais dit que je suis allé à une école où il y avait seulement des gars sauf au cinquième secondaire, dans notre cinquième secondaire il y avait deux filles. Oh, euh, Ces problème. deux filles là sont les filles les plus chanceuses qu'il y a jamais <laughs> eu au monde. Il y avait deux groupes de secondaire 5 Je sais, sais pas si, si elles sont chanceuses. Filles. Je sais pas si sont chanceuses. pas ça. mettons maintenant j'ai jeune fille là, c'est cette l'école là? Je vais l'emmener. C'est quoi là? Non, non, je l'emmène dans une école là, juste avec des filles. Euh, ouais, il partait d'une école vraiment... juste avec des filles pour venir avec nous autres. De... <laughs> on a eu beaucoup de plaisir. Oh boy. Alors, quelque chose que j'ai n'ai jamais vu. Euh, leur... Écoute, c'est ça. Hein? C'est ça mm -hmm. ce qu'il faut faire avec le podcast. On oui. peut dire ce qu'on veut. Oui. iTunes. Je sais qu'il y a une regard sur iTunes. Je sais qu'il y a quelque chose là-dedans qu'il faut faire. j'ai jamais regardé comment ça marche. Il um, faut que les gens laissent des commentaires. Ça va? Ça va? Il faudrait que les gens à la maison, aient, euh, sur iTunes, aient donné 5 étoiles à Scott chez Illumination Mondiale. Et laissez un commentaire et mettez beaucoup de mots-clés. Comment ça marche? T'as aucune idée, la galette Mathieu? Ah oui, j'ai une bonne idée, mais les commentaires vont rien changer. Les commentaires, ça va rien? Non. c'est pas ça. Non, non, c'est bon qu'ils laissent des commentaires. C'est bon? C'est bon, ben, mais ça ne change rien directement sur ton classement. OK. okay? Euh, la façon que ça fonctionne, le classement, c'est le nombre de téléchargements que tu as eu aujourd'hui qui est multiplié par 4. Le nombre de téléchargements que tu as eu hier qui est multiplié par 3, avant hier par 2. Et les quatre autres jours de la dernière semaine, juste le nombre de téléchargements que tu as eu. Tout ça divisé par 13, ça donne un chiffre, un indicateur. Et tous les podcasts sont comparés entre eux basés sur ce calcul. C'est l'écoute. C'est le nombre de téléchargements qu'il y a eu dans la journée, jour par jour. OK? Donc. Mais ça, ça doit se truquer, ça. On ne peut pas acheter des robots d'écoute? Oui. Là, pourquoi est-ce que je ne fais pas ça? Je ne sais pas. Est-ce que ça marcherait? Oui, ça marcherait. Hello! <laughs> Prends ça en note! Mmh. » ce, ce que je dis, est-ce que ça marcherait sur iTunes? Je ne sais pas. Est-ce que ça marcherait sur ta plateforme? Je ne sais pas sur quoi tu héberges. SoundCloud. Bon, sur SoundCloud, ça marcherait. Mmh. Il y a certaines... Euh, en fait, il y a deux plateformes qui sont reconnues pour avoir un standard au niveau des statistiques qui sont reconnues. Et au Québec, on n'a pas besoin de ce standard-là encore parce qu'on n'a pas vraiment de podcast, à part peut-être celui de Mike Ward, qu'il y a suffisamment de téléchargements pour justifier un positionnement publicitaire sur le podcast qui va générer de l'argent. Okay? Mm. Un positionnement publicitaire sur un podcast, the rule of thumb, c'est 40 par 1000 auditeurs. 40 par 1000 auditeurs avec les podcasts qu'on a au Québec, si on prend la statistique qui, euh, qui est approuvée par le domaine du podcast, c'est beaucoup de téléchargements. Si on regarde ceux qui sont sur SoundCloud, ceux qui sont sur Audioboom, ceux qui sont sur n'importe quel autre type de plateforme d'hébergement qui sont pas qui ont pas les standards du, du domaine, ces gens-là ont beaucoup plus de téléchargements. C'est quoi le standard? Okay. Il y a un standard, il y a une, une euh, il y a une, euh, comment je peux dire? Il y a une façon de calculer le nombre de téléchargements qui est reconnu chez Blueberry et Donc ouais. Les gens qui vont héberger chez ces deux, euh, deux hébergeurs-là vont avoir la statistique qui est reconnue la stati comme étant la statistique juste. Fiable. Fiable. Mm -hmm. Je parlais de robots tantôt. Je sais pertinemment, il y a des gens que je connais qui sont hébergés ailleurs, qui me parlent de 10 000 téléchargements par épisode. Et je sais que ça fonctionne. Ça ne se peut pas. Oui. Okay? Je sais que ça se peut pas. Fait c'est pour ça que je dis. Puis, puis ça, je l'ai entendu dans le. Dans le, le, le chez, à Podcast Movement 2018. Il y avait le standard qui était en route et à un certain moment, ça a été mis de l'avant dans la dernière année. Le standard pour ça. Fait que ça veut dire que la personne qui. L'entreprise qui est au courant de ça va te demander d'héberger à cet endroit-là. Pour avoir le montant exact et juste de, du nombre de téléchargements. Hum. Donc, euh, parce que, effectivement, les robots, les fameux euh, peu importe. Parce que ça ne coûte pas cher, ça, c'est une cloud, là. Ça coûte 10 pour avoir euh, 10 000 dans le c'est Exact. Fait que ça. Ouais. Et que tu payes ou que tu ne payes pas, ça se peut qu'à un moment donné, il y des robots qui passent peuvent mener sans, oui. sans rien dire. Euh, tu te ramasses que oups, moi ici, pour une raison ou pour une autre, j'ai 20 000 téléchargements de plus que le mois dernier. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est juste quand tu un crawler web exact. ou quelqu'un. Exact. Huh, okay. fait qu on arrivait de... On parlait de télécharger... La promotion de ton, de ton podcast. Ouais, c'est okay. ça. Fait que... Fait que ok. Euh, sur ton podcast, tu as enregistré ton podcast. Idéalement, si tu utilises un site WordPress, qui est le cas de la majorité des mmh. gens, tu vas essayer de faire un article de blog qui va mettre les mots-clés. Présentement, tu as besoin d'avoir le texte qui va te donner le, euh, le SEO. Mm -hmm. dessus. Fait que tu vas essayer de faire un texte qui va avoir le plus de sens possible, note d'épisode qu'on appelle, qui va te donner le SEO qui fait avec. Et tu vas euh, télécharger une application qui s'appelle, une extension plutôt qui s'appelle PowerPress, qui va te permettre d'aller positionner directement ton fichier audio à l'intérieur de ton article, qui va être relié directement avec. Et ça, ça va te donner un lecteur dans ton article de blog que les gens vont pouvoir écouter l'épisode en question directement à partir de, cette, de cet article-là. Et sous l'article, il va avoir automatiquement toutes les notes que tu vas avoir mises, ce qui va te permettre de pouvoir mettre des appels à l'action, qui, pour... qui va te permettre de pouvoir mettre de la photo si jamais tu as besoin, si tu as besoin de mettre de la vidéo, si tu as besoin de mettre plein de trucs, plein de ressources, tu vas pouvoir les mettre directement là. Euh, la chose qui, euh, que je recommande fortement, quand on va essayer de développer, qu'on va essayer de se servir de notre podcast comme canal, comme premier canal de contact pour amener les gens directement sur notre liste de courriels, c'est de faire exactement ce que Amy Porterfield fait à merveille sur son podcast, c'est-à-dire que deux, deux épisodes sur trois, à peu près, elle va faire un lead magnet qui est dédié à chaque épisode. Oui, ouais, c'est c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Est-ce que on peut prendre un sujet donné, par exemple. On, 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 on fait un épisode de 30 minutes sur un sujet. Est-ce qu'on pourrait faire simplement un cheat sheet? Est-ce qu'on pourrait prendre simplement un outil qu'on utilise déjà? Simplement un complément d'information, une feuille de ressources? Peu importe. Là. Quelque chose qui ne prend pas 8 heures à faire. Là. Quelque chose qu'en dedans d'une demi-heure à une heure, on a, on a quelque chose puis on met ça. Depuis que moi, j'ai fait ça, j'ai multiplié par quatre mes conversions en provenance d'un épisode de podcast. Mmh. Parce que la personne, elle écoute ton contenu. C'est contextualisé. C'est contextualisé. Le... Ouais. Exactement. Fait qu'au lieu d'offrir un ligne magnet qui est généré, qui pourrait très bien faire l'affaire éventuellement, sauf que si la personne, elle revient épisode après épisode après épisode après épisode, puis tu lui présentes le même ligne magnet qu'elle qu a pris il y a trois mois, ouais. -à, -dire, à un moment donné, elle ah. l'a pris une fois, elle va pas la reprendre une autre fois. Si tu veux faire progresser cette personne-là dans ton univers, tu veux l'amener plus près d'une conversion de l'or à la fin, Offre-lui autre chose, essaie de découvrir ce qu'elle va vers quoi elle va s'en aller. Puis en même temps, toi, ça va te permettre de tracker exactement cette personne-là, c'est quoi ses intérêts. Puis tu vas peut-être pouvoir lui pousser des choses un peu plus spécifiques à ça dans la, les, 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 les communications que tu as avec elle, par courriel par la suite. Ouais. C'est infiniment riche qu'est-ce qu'on peut aller mettre à partir de là. Oui, ça prend un peu plus de temps. Et c'est vraiment. C'est le même principe que de dire je fais un article de blog, puis je vais aller offrir quelque chose. Un lead magnet générique en bas, ça n'a comme juste pas de sens. Ça convertit un peu. C'est mieux que zéro. C'est pas optimal. Mais c'est ça, effectivement. Mettons que tu as un blog, moi, ce que je recommanderais, on pourrait appliquer cette stratégie-là aussi pour le podcast, ce serait souvent ce qu'on va faire, c'est que oui, on a un sujet qui est relativement large. Comme mettons, nous, avec la tranchée, on parle souvent de publicité Facebook, on parle souvent de marketing par courriel, on parle souvent de. De, de, de référencement web, on parle souvent. Bon, on a certains sujets euh, et puis on a différents leads magnets pour ces catégories-là. Donc, ce que tu peux faire, c'est comme mettons, tu as un podcast qui parle d'une catégorie spécifique. Tu as un lead magnet par catégorie. Donc, tu as peut-être cinq leads magnets que tu as travaillé au, au fil du temps. Et puis, ben, tu, tu jongles entre ces cinq-là, dépendamment des sujets que tu as discutés dans le. Euh, faut pas que tu te sentes obligé de faire un lead magnet pour faire un lead magnet. Moi, ce que je dis, c'est. Si tu fais... un produit à vendre en lien avec celui de Mariette là. Oui et non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais ton, ba... si tu fais ton plan d'épisodes, au pluriel, sur plusieurs mois, mettons que tu le fais sur trois mois, tu dis, j'ai 12 épisodes, puis sur ces do... les 12 épisodes, ça va être les sujets que je vais traiter sur ces 12 épisodes-là, par mm -hmm. exemple, ou les invités que je vais recevoir, ou un mix de tout ça. Tu sais que tu vas faire quelque chose qui va parler de marketing par courriel le 18 octobre. Bien, tu peux mettre... Dans le mois d'octobre, que tu fais un lead magnet qui va parler de marketing par courriel, c'est lui que tu vas offrir le 18 octobre. Si tu reparles de marketing par courriel au mois d'avril prochain, tu peux reprendre le même ligne magnet, c'est pas ouais. un problème, ça. Ouais. Parce que tu es dans le sujet, tu es contextualisé, il n'y a aucun trouble avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de le faire, puis de dire OK, il faut que je le fasse deux sur trois, fais-en un par mois. Vas-y comme ça. Puis après ça, au bout d'une année, tu vas en avoir 12 qui vont rouler. Si tu es capable d'en faire deux, faisant deux. Mais tu vas en avoir 12 qui vont rouler. Puis là, éventuellement, tu vas te ramasser tu vas en avoir deux. Tu sais, si tu pas l'équipe d'Amy, sont sept, je pense, qui font juste la création de contenu là, pour elle. Là, ouais. ben, si tu pas cette équipe-là, c'est correct. Fais-les de cette façon-là. Mais au moins, assure-toi d'avoir quelque chose qui est contextualisé puis qui va vraiment pouvoir convertir de la meilleure façon possible. Je pense que les, les, juste de faire des lignes magnets, la plupart des, des gens ont zéro lead magnet. Faites-en un, vous allez voir, ça fait toute la différence. Ben Je oui. me rappelle, quand j'ai fait euh, mon premier ligne ma magnet, mon taux de conversion sur mon site web, c'était comme 0.5 C'est vraiment pas beaucoup sur mon pop-up d'infolette. J'ai mis un ligne magnet, ça a shooté à 4 fait que, Ça paraît pas gros, là. Huit fois plus, c'est gros. C'est énorme. En même que tu as 10 000 personnes qui viennent sur ton site à tous les mois, ben, ben de, la différence entre 0.5 et 4, c'est quoi? C'est 400, c'est 50 plus 400. C'est 350 adresses. De différence. Et ça, au bout d'un an, ça, ça tient. Eh oui, tu as, 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 as 3000, quelques, peut-être même 4000 adresses, parce que je ne suis pas bon en, en calcul mental. Puis là, ben tu n'as même pas 600, 600 adresses. C'est quoi ça faire là Qu'est-ce qu'il faut faire avec 600 adresses hein? Pas grand-chose. Tu ne vas pas t'acheter une Porsche, certain. Certain, Peu de, de chance. Peu de chance. <laughs> Mais c'est sûr. Fait que, bref, c est, c est, ça, ça va te permettre de faire un paquet de trucs comme ça. Euh, et la façon dont tu vas présenter ton, ton appel à l'action dans, dans ton épisode, euh, c'est crucial d'avoir quelque chose qui va être le plus facile à. Parce que toi, là, t'écoutes ça à l'épicerie. Ouais. Fait que tu peux ouais, pas prendre ouais, ouais. en note sur ta boîte de cornflakes il y a un lit de qui t'intéresse. Mmh. Ça fonctionne pas. Fait que faut que tu sois capable de le retenir. S'il y a quelque chose que tu veux vraiment télécharger, il faut que ce soit facile à retenir pour toi. Pretty Link, c'est merveilleux pour ça. Ça va te permettre de pouvoir être capable de lancer quelque chose à l'oral. La personne va le retenir, ça va être facile et va pouvoir les télécharger quand on va avoir la chance de le faire. Nice. Parfait. On est en train, on, on, présentement, on est en train de parler des façons de développer son podcast une fois qu'on a trouvé son sujet, comment le promouvoir. qu'on a parlé euh, grossièrement de, de, de l'algorithme d'itunes. Euh, on a parlé de, de des Lead de Podcast, d'aller chercher une liste de courriels, c'est grossièrement comme des blogs. Je ne sais pas c'est quoi, c'est rendu quoi le statut des, des chatbots Facebook. Je ne sais pas si on a le droit encore de faire des, des chatbots de broadcast. Ça fait longtemps que je ne me suis pas intéressé au, au robot Facebook. Peut-être qu'un un... présentement, on est en train de le faire en live. Ce que je devrais faire, ce serait de dire aux gens, marquer un mot-clé dans les commentaires, puis ça les enregistre dans une séquence pour recevoir les notifications la prochaine fois qu'il y a un podcast annoncé. Je devrais faire ça. C'est pas fait. Vous pouvez mettre des, mettre des mots-clés dans les commentaires, ça ne marchera pas. Um, je vais te dire ça dans pas long parce que je suis là-dedans, moi, le chatbot. Là. T'es là-dedans? Oui, je suis là-dedans en train d'essayer d'attacher tout de ça pour essayer de Figure it out. Ouais. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup de, de figuring it out. Oui, figuring out. Ouais c'est ça. Il y avait ah. un ring de... <rire> 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 Six, <quatre. rire> allez oui, hey, t'es vite, mon gars, hey, il on te... ah, un petit dernier. On va qu'on conduise après. On bonne Bon, euh, je suis curieux, Mélodie. À, à part des gens qui chialent sur la qualité euh, absolument horrible du son, est-ce qu'on a eu des questions pertinentes euh, à propos du podcasting euh, bon. Puis euh, à, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire Ça serait euh, tout simplement de se demander la question ça a été quoi l'impact dans ta vie personnelle le plus marqué des podcasts À deux volets. En tant que producteur, puis en tant que consommateur. Euh, en tant que consommateur, définitivement une connaissance accrue d'un paquet de sujets auxquels je n'avais pas nécessairement accès avant. C'est une mine d'informations incroyable. Ouais. ça c'est ça c'est sûr c'est sûr. Il euh, y a plusieurs. Je l'ai dit tantôt par rapport à, à Amy Porterfield. C'est pas quelqu'un, Amy, que je vais euh, J'aime pas la façon qu'elle communique. Pourtant, <laughs> je manque pas un de ses podcasts. Okay. J'aime pas la, j'aime pas. Mais je trouve qu'elle oh, est so good, je It's so good, c'est c'est comme OK arrête là. Ouais. Et c'est-tu ce, ce, vraiment so good là, en tout cas. c'est ça. Mais la technique derrière, ouais. ça j'admire ça. Elle est vraiment bonne hein, elle est elle elle vraiment bonne ouais. sur ouais. ça. En tape c'est dans ma stique est, est, est bonne. Bon. Exact. Fait <laughs> j'écoute pour ça ouais. principalement parce que je veux voir comment elle fait les choses techniquement il ouais. euh, y en a d'autres que c'est vraiment pour leur méthode d'entrevue Amy est pas est pas la top pour les entrevues il y en a bien qui sont meilleurs que les House est incroyable dans ses dans ces entrevues euh, fait, bref il y a des gens que, 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 que je vais aller écouter un peu plus par rapport à ça fait, fait, comme consommateur c'est ça comme euh, producteur comme comme animateur de de podcast euh, je pourrais te dire, un paquet d'enfants. Tu sais, je t'ai dit tantôt, il y a des gens qui viennent, tu sais, spécialement depuis, je dirais, depuis, de, étrangement, depuis que j'ai arrêté, pas arrêté, mais... Euh, mis un hold sur l'Académie du podcast au mois d'avril parce que je changeais, ma, je changeais de plateforme, je changeais ma pla ma, ma, toute la formation, je la changeais de plateforme. Puis je voulais euh, revoir un peu la façon de le présenter. J'avais fait un six mois, j'avais ramassé beaucoup de données, puis tout ça, c'était parfait, j'avais un paquet d'étudiants, j'avais beaucoup de data, j'avais beaucoup de témoignages que je pouvais aller chercher, beaucoup de feedback, puis tout ça. ça, j'avais fait un, un bêta à l'été 2018. J'ai fait plusieurs cohortes entre... Octobre et avril 2019. Fait que là, j'ai décidé de mettre un stop à ça, de changer la plateforme, de profiter de l'été pour tout ça, puis de songer un peu à comment j'allais refaire les choses. Étrangement, depuis que j'ai fait ça, j'ai jamais eu autant de gens qui viennent vers moi et qui me disent euh, l'autre jour sur LinkedIn, je, je, ça donne que je demande quelqu'un en demande de contact, quelqu'un qui avait posté quelque chose que je trouvais intéressant, puis genre, fait que je, me, je, me, je viens pour me connecter sur elle. Puis je dis, écoute, euh, euh, j'ai vu qu'on avait plusieurs contacts en commun, j'ai trouvé ça intéressant, tel article. Je trouve, euh, tu sais, j'aimerais ça qu'on soit dans le même réseau. Elle me répond, quel adon. J'ai écouté pour la première fois tes podcasts la semaine dernière. J'ai bingé à peu près la moitié de tous tes épisodes et je capote. C'est long, ça. C'est beaucoup le stack. <laughs> il y en a un autre, il y a quelques mois, il me dit, ma femme te déteste. Je fais comme, oh boy, stack. Okay, que, que c'est j'ai fait? <laughs> ouais, c'est ça. Il dit, j'ai tombé sur tes podcasts, j'ai les ai bingés dans le lit à côté d'elle à tous les soirs. <laughs> elle n'est plus capable de t'entendre à travers les écouteurs, elle n'est plus capable. Mais tu sais, il y a plein d'affaires comme ça. C'est tripant parce que les gens viennent à toi et disent hey, écoute, bah, 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 ben, tu le sais, là, parce que tu le vis sûrement aussi. Mais c'est tripant juste de savoir qu'il y a des gens qui écoutent, qu'il y a des gens que, que, que tu que as un impact sur ces gens-là, que tu les aides dans leurs affaires. Les gens disent, écoute, je viens chercher des trucs incroyables, c'est fou ce que tu euh, partages comme contenu, puis tout ça. Que ça, c'est vraiment trippant. Puis, si on regarde sur le plan monétaire, parce que souvent que les gens se disent, ouais, oh, mais c'est bien beau, ça, là, le podcast, c'est bien beau, c'est fleur bleue au bout, puis c'est le fun d'avoir ton show. Mais dans les fêtes, là, à, part, à part prendre du temps dans ta semaine pour faire un épisode de podcast, puis pouvoir te connecter avec des gens qui sont un peu plus big que toi, mis à part ça, mettons, là, ça te donne quoi? Mais moi, dans la première année. C'est ce qui est déjà quelque chose, même. Mais... Oui, oui, mais ce n'est hein? oui, pas tout le monde qui, ce... qui reconnaissent la valeur de ça. La, valeur de ça. Euh... la beauté de ça, la beauté du podcast, c'est que quand j'ai démarré mon podcast, c'était la même chose que mon blog. C'était par amour de partager ce que je connaissais. J'apprends quelque chose, je le partage. Tu le fais aussi sur les médias sociaux. Euh, maintenant, c'est plus facile encore. Moi, quand j'ai démarré ça, les stories, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de façon de partager, de documenter ce que tu faisais. Fait que, quand j'ai démarré mon podcast en 2017, Accélérateur, c'était avec la même intention. C'est-à-dire, je veux juste prendre un peu, ni plus ni moins, ce que je fais là. Mais en plus, je vais rajouter des invités là-dedans. Puis, je vais partager ça aux gens. Puis, je pense que ça va être tripant. Puis, je vais triper à faire ça. Puis, c'était un trip, là, pas plus, plus que, plus que d'autres choses j'ai démarré ça sur mon site Internet. S'il y a des gens qui veulent se rendre sur mon site Internet présentement, MarcoBernard.ca, il n'y a rien à vendre. Zéro. Il n'y avait rien à vendre à ce moment-là, il n'y a pas encore rien à vendre maintenant. Quand j'ai fait le wrap-up au bout d'une année, parce qu'il y a des gens qui me posaient la question, ça rapporte quoi ça, faire un podcast? Qu'est-ce que ça te donne de faire ça? Au bout d'une année, j'ai fait que bon, ok, je vais faire le décompte, Puis ça donne que moi, c'est un joueur, fait que c'était pas trop loin des impôts. <laughs> c'était facile de faire le la en même temps. <laughs> Fait que 56 131$. Rien à vendre sur ton site. Ouais. Tu n'as pas de Work with Me, euh, cliquez ici pour un forfait de, de, de coaching, il n'y a rien de ça. Il ouais. n'y a pas d'académie à ce moment-là non plus. C'était vraiment des gens qui venaient vers moi. J'ai écouté l'épisode 47, j'ai tripé sur comment tu as, as parlé de tout ça. Je rencontre les mêmes défis dans mon entreprise. Comment ça me coûte pour t'engager? Tu répondais, tu peux pas m'engager. Désolé. <laughs> avec ça, j'ai fait le 56 000. <laughs> OK, mais, mais je veux dire, mais mais j'acceptais là mais, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas moi qui sollicitais. OK 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 c'est ce que okay, je veux okay. dire. Ah, mais gens est... vers moi. Mais fait tu comprends mais si il y a quelqu'un dans l'audience en ce moment qui est en train d'écouter qui, qui aimerait savoir du coaching privé individuel avec toi pour être capable de l'aider à monter son podcast. Est-ce que c'est un service que tu offres Pas vraiment. OK, tu l'offres mais c'est cher c'est ce que je comprends. Pas vraiment. Ça très cher. Non, mais c'est parce que c'est que une question de temps. C'est carrément une question de temps. C'est vraiment ça. il y a la formation sur la tranchée, il y a la formation de l'académie. Après, si tu veux aller plus loin, dans la formation de l'académie, il y a du coaching privé là-dedans. Il y a des séances de coaching privé. Mais mais euh, mais donc c'est ça. Donc s'il y a des séances de coaching privé là, il y a un lancement qui va se faire bientôt dans l'académie qui va relancer. Euh, à un moment donné, il y a 24 heures d'une journée, puis ouais. Il va y avoir éventuellement une équipe qui va venir, il va y avoir, avoir une, une mélodie de ce monde qui va venir, <laughs> C'est correct, je comprends très bien. Parce que je vis la même chose. Moi, je ne fais pas de consultation Facebook, je ne fais pas de création de site web, je ne fais pas de campagne de marketing. Puis, puis, euh, C'est fou parce que le nombre de leads que je... Refuse que tu distribues constamment. Mm -hmm. et Puis même si je dis Ah non, mais engage-moi pas, va-t'en voir G7 Media parce que c'est des, des amis à moi, je sais qu'ils sont compétents, je sais qu'ils font un bon job. Il y en a un sur dix qui va faire comme Ok, mais je vais aller voir G7 Media pour de vrai. Mm -hmm. En fait, le, si tu vends des services, le podcast, c'est un no-brainer parce que c'est sûr à 100% que ça va te ramener de la business direct. Ben, si tu es aimable, là, je veux dire, si tu parles tout mm -hmm. proche, puis que puis que tu es ignorant dans ta façon de parler, c'est sûr que personne ne va t'aimer, personne ne va vouloir t'engager. C'est un petit peu euh, sympathique. Euh, puis En même temps, ça peut être un très bon outil justement pour être capable de, euh, de redorer un peu ton image publique, parce que souvent, quand on fait du marketing d'image, du branding, avec seulement des photos, mais ben là, tu es là sur ta photo, tu n'es pas un top model, tu ne sais pas trop comment te poser, puis quand finalement, on, fait, on finit par faire une espèce de pause de semi-mannequin qui a de, 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 de l'air bête, euh, ben on a de l'air bête. Hein? Ouais. Peut-être qu'on est pas bête pour de vrai. Peut-être qu'on est bien sympathique dans le fond. Puis, ben tu ne fais pas de vidéo parce que c'est compliqué de faire la vidéo parce ça coûte cher. Puis, euh, la vidéo, c'est un super beau média euh, qui, est en, qui est en essor présentement. Les caméras n'ont le, jamais été aussi abordables que ça. Pour la qualité. Euh, qu y a. Pour la qualité que ça a. Ça n'a aucun sens. Mm -hmm. euh, mais bon, tu ne fais pas ça. Puis... Fait que tu as, as le choix, tu as tes photos, Facebook, ou ce que tu as l'air de te prendre pour un autre. Puis, podcast, là, tu n'as pas la photo. Tu juste la voix, tu juste la personnalité de la, la personne. de la chaleur. Tu ouais. capable de, de t'exprimer, puis justement de te dire qu'est-ce que tu penses, comment est-ce que tu le penses. Et, 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 et ça, je pense que ça fait en sorte que tu es beaucoup plus euh, likable, plus aimable, si on. on ce pas exactement le mot que je veux dire, mais c'est plus facile de t'apprécier. Euh, petite, tu... an petite anecdote, si tu me permets. Oui, vas-y, vas-y. Je m'en vais dans une euh, conférence à Québec. Je n'aimerais pas la conférence parce que c'est pas ça l'idée. Je me dis, peut-être, potentiellement, je peux avoir de la clientèle dans cette conférence-là. Il y a beaucoup de kiosques, beaucoup de conférences, etc. Fait que je m'en vais là. Et euh, finalement, ça fait une demi-heure que je suis là. Je me dis, man, qu qu'est-ce que je fais ici? Ça là il n'y a aucune chance que je ressorte d'ici avec un client, quoi que ce soit, c'est sûr que non. Mais j'avais un client qui était là, qui donnait une conférence. Fait que bon, je dis gars, je vais rester jusqu'à sa conférence. Fait que je me promène, puis un moment donné, je tombe sur un kiosque, puis je commence à jaser avec la personne qui fait le kiosque. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Elle dit Vous êtes Marco Bernard, vous, hein? C'est vrai. Elle dit J'ai reconnu votre voix. Elle dit Je vous avais pas vu. Mais elle m'a dit, j'étais derrière vous, Puis elle m'a dit, quand vous parliez avec le monsieur, elle m'a dit, j'ai reconnu votre voix, elle dit, je manque pas un de vos podcasts. Ah, c'est vraiment le fun, ça. Ça? C'est vraiment le fun. C'est incroyable. C'est vraiment le fun. Je fait, me... je... ouais, ouais. Quand tu sais, quand tu disais tantôt être aimable, être, avoir une voix qui résonne, et ça m'amène à dire, il n'y a personne qui écoute, là, présentement en live, là, malgré les difficultés qu'on peut avoir ou en rediffusion, qui va aimer sa voix. Personne. personne qui va es aimer es sa voix. Ouais. T'es narcissique au bout, c'est. Non, c'est pas vrai. <rire> Mais il <laughs> y a personne qui, à la base, aime profondément sa voix. Surtout au début, quand tu ouais, t'écoutes ouais, tu ouais, fais ouais. comme ah merde, c'est quoi ça là, le ouais. canard qui parle. Tu sais, c'est ça. Ouais. Puis c'est comme ça pour tout le monde. Fait ouais. Si c'est ça qui vous <rire> arrête, <rire> euh, le, le temps que je passe à gosser avec mon EQ <laughs> pour faire en sorte que je me déteste moins. <laughs> C'est <laughs> ben, la c'est la, la le cas de tout le monde. Mais euh, ce que tu disais tantôt, justement, quelqu'un qui vient de voir et qui dit comme j'écoute tous tes épisodes, je me rappelle la première fois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il m'écoutait pendant qu'elle faisait son épicerie. Euh, tantôt, on parlait de la valeur que ça peut avoir un podcast. Tu disais comme autre que réseauter avec des gens. Oui, ça a des conséquences financières, mais, ouais, ouais. mais juste la valorisation que, que, que ça va t'apporter. Euh, D'avoir des gens qui viennent te, te voir pour te dire ce genre de commentaires-là, c'est vraiment le fun. Puis c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. faut que tu le vives pour exact. comprendre à quel point c'est le fun. J'ai un, un invité que j'ai reçu l'année passée. Je ne vais pas la nommer, mais j'ai un invité que j'ai reçu l'année passée. J'y avais parlé. La fille est dans le domaine, a, a, a fait de la business dans le domaine de la création de contenu, mais écrit. Mm -hmm. okay? Si vous allez voir sur, sur mes épisodes de podcast, vous allez peut-être euh, faire l'inventaire, vous allez screener, vous allez arriver à 4 noms peut-être, mais en tout cas, peu importe. Euh, cette personne-là m'a envoyé un courriel ce matin, son objet c'était « tu m'as convaincu ». Et dans le courriel, je me suis dit « ah, c'est un infolette », mais je l'ai ouvert quand même. Et, et c'était euh, « ben tu le sais, je suis dans le domaine du, du, du marketing, mais écrit ». Mais euh, là, tu m'as convaincu, je, je, je consomme tes podcasts, je lis tes infolettes qui viennent connecter avec ça. J'ai téléchargé un paquet d'affaires que tu offres et tu m'as convaincu, je veux avoir un podcast. Alors dis-moi par quel chemin je dois passer. Mais la fille est en marketing écrit. Oui. Mais tu sais, donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait là, aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Dans le monde du podcast, c'est ça, c'est que tu vas. Parce que ces épisodes-là vont rester là, ils vont vivre à travers le temps ça me fascine à quel point il y a encore des gens cette semaine qui ont écouté mon épisode 1 puis là, ils vont en avoir un paquet parce qu'il y en a beaucoup qui vont aller voir pour voir la différence entre le 1 et le 200 là. Mais, euh, mais ça me fascine à quel point tu peux aller rechercher des épisodes T'sais, toi là c'est épisode 39 donc 3-9 marcobernardca baroblique 3-9 si vous voulez voir la, pre la première entrevue qu'on a fait ensemble la deuxième c'est 2 deux non j'ai checké avant la okay, <laughs> la deuxième c'est 2 h okay. fait que si, si les gens veulent voir aller voir ce que ça a l'air entre l'épisode 39 et l'épisode 204. Dans le cas de ça ne changera pas grand-chose parce qu'il avait déjà beaucoup d'expérience à ce moment-là. avait déjà beaucoup de... de tu sais, tu n'étais pas à ta première entrevue, tu n'étais pas à ta première... Dans 204, j'étais hangover. Pas dans 34. <laughs> 39. 39, 204. C'est vrai. <laughs> C'est vrai, je me rappelle. Vrai. Mais je cherche un pareil là. Je... Oh, non est non non arrangé, non. Même, essayez de, je essayez je de, de déceler, voir à quel endroit vous pouvez dire que Over. Je pense pas que c'est possible de le faire. <laughs> c'est vrai, je me rappelle. Mais euh, puis c'est vrai de penser que c'est justement les épisodes de podcast vieillissent à travers le temps. C'est comme les vidéos sur YouTube. Mais il y en a encore qui regardent mes mes vidéos voilà, du, du temps où que je commençais mes euh, vidéos en disant Hey what's up <laughs> C'est horrible, complètement horrible. Euh, puis c'est un faire pour les podcasts. c'est m'a... Tu sais, comme le premier podcast qu'on a fait ensemble, c'est pour le livre de Ta Valeur. Le livre de Ta Valeur aussi, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça l'a pris une vie d'elle-même de après à travers les algorithmes de mm -hmm. Haudible, de d'Amazon. Euh, puis maintenant, il y a plein de gens qui me découvrent à cause qui ont lu ça. Tu sais, c'est la même chose avec les podcasts. Euh, puis on ne sait pas si, jusqu'où est-ce que ça peut mener à long terme. Il y a eu un chat qui dit quelque chose qui est intéressant. Toutes les choses qu'il dit qui sont intéressantes, des fois ils, comme, ils fait, pis, il se répète et il est Mais des fois il dit des choses qui sont vraiment pertinentes. Pis, souvent, ce que j'aime quand tu regardes des grands influenceurs, comme pardon, on va regarder par exemple, Steve Jobs, on va regarder Elon Musk, des fois ils vont dire des choses puis ils vont faire autre chose. Fait, Steve Jobs disait comme Suis tes passions à tout prix, mais dans le fond, c'est pas vraiment ce qu'il a ouais. fait. Euh, puis dans le cas de Gary Vaynerchuk, il y a quelque chose qu'il dit qui est vrai puis qui est vrai pour lui aussi, puis c'est T'as juste besoin d'avoir un coup de circuit. Ouais. as juste besoin d'avoir un épisode qui skyrocket. T'as juste besoin d'avoir comme un article de blog, une vidéo YouTube. T'as juste besoin d'avoir raison une fois pour ensuite de ça, être catapulté euh, dans la sphère publique, puis ensuite de d'avoir une crédibilité, d'avoir une notoriété, euh, puis de faire que ta vie va changer. Littéralement. Je veux dire, j'ai prends un exemple d'un article de blog. Euh, 90% du trafic que j'ai sur mes sites proviennent de cinq articles. Mm -hmm. C'est la même chose sur les podcasts. Ben oui. sais-tu euh... comment ça s'appelle dans le monde du podcast, un, un épisode comme ça? Comment? Un épisode épique. Oh. Mais pas épique, E-P-I-Q-E. -E, épique, E-P-I-C. Puis pourquoi ça s'appelle comme ça? Ben vous allez devoir prendre la formation pour le découvrir. <laughs> Mais je, je peux te dire, c'est quoi un épisode épique, par exemple? C'est un épisode que tu vas volontairement. Créer un format, un, une promo, un angle différent qui va te permettre de promouvoir, qui va te donner un contexte pour promouvoir de façon différente ton podcast. Est-ce que tu te rappelles de l'épisode qu'on a fait qui s'appelait le marathon du podcast dans l'Académie du podcast? Tu m'avais ouais. donné une un, un entrevue d'à peu près une vingtaine de minutes qu'on avait fait justement sur c'était quoi les retombées de Scotch et Domination Mondiale et. J'avais complètement oublié qu'on avait, avait canné ça. ça. Okay? Cet épisode de podcast-là a duré presque 7 heures. Ouais. Okay? Parce que j'ai interviewé un paquet de podcasteurs, je pense qu'il y en avait 11 ou 12, un paquet de podcasteurs avec lesquels je faisais les liens entre chaque. Et j'ai tout rappé ça ensemble. Et évidemment, quand tu as 12 personnes qui partagent ton même épisode de podcast en même temps, ça crée une dynamique complètement différente sur les médias sociaux. Fait que ça, c'est une des façons, quand tu dis un coup de circuit, c'est une des façons de faire découvrir ton podcast, c'est de dire, je peux-tu trouver un concept qui va inclure un paquet de personnes à travers ça? Est-ce que je peux faire euh, un, un épisode, de, mettons, euh, question-réponse, mais juste une question-réponse de deux minutes? J'envoie la question à, à 20 influenceurs, puis je ramasse ça en audio que la personne elle va juste. M'envoyer ça directement à partir de son iPhone ou on va installer SpeakPipe sur notre, euh, sur notre site internet qui est une application qui te permet de, de recueillir un, un, un fichier MP3 directement à partir de votre site web. Donc vous pouvez installer ça, c'est gratuit, SpeakPipe. Et puis euh, tu vas aller recueillir l'information directement là. Fait tu envoies les gens, l'influenceur, tu l'envoies sur ta page SpeakPipe. Elle va enregistrer directement là. Tu vas recevoir le MP3 dans ton courriel, tu prends mp 3 tu le mets dans ton épisode de podcast et tu lui dis après, je vais t'envoyer l'épisode en question. Alors, tu pourras le partager si jamais ça t'intéresse. Ils ne feront pas tous, mais ceux qui vont le faire, ça va t'aider, puis tu vas en avoir, tu sais, disons, sur 11 ou 12 que j'ai eu, s'il y en a la moitié ou trois quarts qui ont décidé de partager, bien, ça fait ça de fait. Mm -hmm. Puis ça, c'était préalablement à mon lancement de l'académie, donc ça a amené du trafic, ça a amené... Un peu de, de bruit autour du lancement de l'académie du podcast. Donc, c'est un peu ce genre de bébelle-là qui va faire en sorte que, sur une base périodique, il ne faut pas que de ça parce qu'à un moment donné, ça vient que tu fais que ça. Là. Puis, ça a l'air un peu cucu euh, -cu de faire que des épisodes qui, qui, qui te permettent d'essayer de, de générer du bruit autour de ça. Là. Ouais. Mais, parce que le but, c'est d'amener de la valeur. Fait que, oui, dans, des fois, dans ces épisodes-là, ça vient redondant à la longue. Là, là, parce ouais, que... Si tu as 12 personnes qui te posent la même question, c'était pas les mêmes questions mais il reste que tu sais en bout de ouais. ligne tu sais qu'est-ce que ça rapporte ton podcast comment tu fais quel que micro tu utilises bla 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 tu sais mm -hmm. ça vient oh, pff, Fait que, sauf que une un épisode comme ça comme j'ai fait un marathon mm -hmm. ben ça passe parce que je, quand que je bloguais quand j'étais principalement blogueur euh, c'est une stratégie que je prenais beaucoup aussi souvent c'était les, les tables rondes de, de, de blog ça fonctionne super bien Clairement. puis des gens vont être beaucoup plus euh, c'est facile de demander une table ronde en le sens que, tu sais, j'avais eu euh, Michel Blanc, avec qui j'ai n'ai une très bonne relation. Euh, j'avais eu... Rudy. Ah ouais? <laughs> Je me demande pourquoi. <laughs> il manque deux verres de scotch pour nous le raconter. <laughs> j'avais fait un article de blog là-dessus, si les gens veulent, veulent rechercher ou pas sur Google, <laughs> Blanc, Michel Blanc, il n'y a pas de problème. Hey, C'est une très bonne... Gentille, gentille demoiselle. Euh, changeons de sujet. Alors, plateforme. Oui. Ouais. Euh, ok, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a notre podcast qui est hébergé sur un, une plateforme d'hébergement de podcast. Dans le cas de c'est SoundCloud. Dans mon cas, c'est Blueberry. Euh, donc, vous pouvez utiliser euh, cette plateforme-là et vous allez relier le fil RSS qui va être le, on entre dans les choses un peu techniques, peut-être qu'un Mais bref, je vais juste mentionner ça comme ça. Puis, euh, vous allez comprendre le point. C'est que vous allez relier le fil RSS de votre site directement vers les plateformes en question. Souvent, cette plateforme-là d'hébergement va vous soumettre, va vous sortir un flux RSS qui va être clairement identifié dans la plateforme. Vous allez simplement récupérer cette URL-là. Vous allez faire votre inscription sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, sur iHeartRadio, sur SoundCloud, sur Name It. Toutes les plateformes que vous pensez pouvoir être, vous allez faire votre euh, votre euh, votre inscription là-dessus et automatiquement, quand vous allez diffuser un épisode de blog, automatiquement, ça va être spreadé un peu partout sur ces différentes plateformes d'écoute. là ah, puis pour euh, peut-être expliquer le petit côté technique euh, qui j'ai ouais, peur aux gens. Bon, euh, nous autres, on le fait sur SoundCloud. Euh, sur SoundCloud, la raison pour laquelle j'utilise SoundCloud, c'est très simple, c'est juste parce que je suis un utilisateur de SoundCloud mm -hmm. à la base parce que j'aime la musique qu'il y a là-dessus. Euh, une des choses qui est pertinente à faire lorsqu'on fait son podcast, donc, mettons, tu décides de prendre peu importe la plateforme, tu mets en ligne tes épisodes là-dessus, ensuite de ça, tu prends le fil RSS qui te donne, tu envoies ça à iTunes, puis ça te prend un compte euh, particulier sur iTunes. que Mettons, tu Google enregistrer son podcast sur iTunes, ça va être. Vraiment... iTunes Connect. Bon, iTunes Connect, tu t'envoies là-dessus, tu mets le lien, euh, euh, etc. Une autre chose qui est intéressante à faire, c'est de remplir le formulaire de Spotify. Je ne sais pas si tu le. Bon, sûrement que. C'est sûr que tu l'as fait. Oui, mais ben, en <laughs> Puis, fait, dans la plateforme, euh, peu importe la plateforme que tu utilises, je ne sais pas, pour SoundCloud, je ne sais pas. SoundCloud, mais... c'est vraiment painful. OK, on, okay. bon, mais ben, dans euh, le cas uh, de Spotify. Blueberries, il y a, euh, y a euh, un, un, un champ directement qui va te permettre d'aller installer le lien que Spotify va te retourner pour te dire, voici... C'est quoi l'URL Spotify? Mm -hmm. Puis il va avoir un, un, un lien directement pour t'amener dans la plateforme Spotify et ça va te donner pas à pas exactement ce qu'il faut que tu fasses et comment okay. tu, tu dois le remplir. Fait que, mais mais c'est comme ça pour Spotify, c'est comme ça sur euh, 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 TuneIn, c'est comme ça pour. Euh, J'essaie de me rappeler toutes les plateformes qu'il y a dans Blueberry, là, mais euh, iTunes pour sûr, Google Podcast évidemment, euh, TuneIn, euh, Spotify, puis il me semble qu'il y en a une autre que je ne me rappelle pas. Euh, et, et, et les autres, ben, ça Burberry, va. Burberry, si je comprends bien, euh, ça va resplitter ton podcast à tous les ouais, endroits. Exactement. Parce que nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a enregistré visuellement sur chacune des plateformes. Euh, oui, oui, faut que tu le fasses une fois. OK. Oui, il faut que tu le fasses une fois. OK, OK. Yeah. Euh, bon. Mais bref, même, personnellement, je pense que la plupart des. des des downloads de podcasts qu'on a ben ça vient principalement d'itunes des gens à travers leur app de podcast 60% des euh, statistiques vont provenir d'abord ouais c'est sûr c'est sûr mais Spotify honnêtement remonte euh, tous Au mes Canada. podcasts maintenant je les écoute principalement toutes ceux qui sont disponibles sur Spotify je les écoute sur Spotify parce que Alexa Alexa me permet d'écouter mes podcasts sur Spotify ouais. euh... Au Canada, dans les dernières statistiques, je parlais des statistiques tantôt au Canada, maintenant, aujourd'hui, Spotify et Apple sont néannées mmh. dans les statistiques. Mais Au Canada. Ouais. Quand on regarde globalement sur ce qu'on a comme statistique, euh, Apple va perdre un point à tous les deux, trois mois, à peu près, va perdre un point. Il était à 70 quand j'ai démarré. Il est peut-être rendu à 60 à peu près. Qu'est-ce que tu utilises pour écouter ta musique? Là? Overcast. Et les podcasts La musique. Ah, la musique. C'est sur iTunes, Spotify, Google Play. Je suis plus iTunes, moi. C'est iTunes Ouais. Mais tu sais, moi, je suis un. Tu fais Apple Music Je suis un Apple. Non Non, moi, je télécharge. Tu télécharges J'aime ça, je télécharge. Sur ton. Directement, localement, dedans. Foufou. Ouais, ouais, mais moi, je suis mal Old school. Ouais. C'est Old school. Ça m'appelle-tu dans le temps de Kazaa et de LimeWire? Oui. C'est un bon. Oui. Oui. Avec la quantité de virus incroyable qu'elle a avec, mais oui, je me rappelle. Et pour les programmes, et pour tout. c'est merveilleux. Moi, je suis sur Spotify famille. Puis je dis que toute ma famille habite chez moi. Puis c'est mon compte à cinq. Je vois les personnes de chez Spotify qui font ça. Non, bon, vont moi Mais non, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Puis pour les podcasts, j'utilise Overcast. Parce que ça me permet de faire des listes. Que on n'a pas la possibilité de faire dans et tout. Je disais, je disais ça. Mélodie, toi qu'est-ce que tu utilises pour tes podcasts est toute contente là, que je pose la question. <laughs> moi, j'utilise Castbox. Je trouve ça drôle parce que on a parlé de ça exactement hier. hier je disais, je la mets, je disais Castbox parce que ça me permettait de me faire des listes de lecture de podcasts. C'est une phrase. C'est quoi J'ai répondu. Pourquoi <laughs> ça, Pourquoi Mais tu... <laughs> ben, tu vois, moi, je, je vais. Des fois, là, disons, j'en je je ai énormément de podcasts. Fait que je vais aller scroller exemple Amy Porterfield, je vais aller, aller voir euh, les invités qui peuvent être intéressants, les sujets qui peuvent m'intéresser, et je vais le draguer dans une liste à écouter ou je vais le draguer dans Amy à écouter parce que j'ai une liste Amy à écouter. Puis euh, là, à ce moment-là, je vais savoir exactement, j'embarque dans mon auto, clic, je pince sur la liste, puis ça binge automatiquement tout ce que j'ai écouté par rapport à ça. Je peux accélérer, diminuer la vitesse du podcast, etc. Fait, mm. C'est des choses qu'on ne peut pas faire dans iTunes. Présentement, peut-être que ça va changer dans quelques jours, mais présentement, on ne peut pas le faire dans iTunes. J'imagine qu'ils vont prévoir ces choses-là dans la nouvelle mouture de, de Balado, l'application la, qui est built-in dans les appareils Apple. Puis dans Google Podcast, c'est quand même bien, sauf que moi, comme je suis un utilisateur Apple, je n'ai pas accès à Google Podcast mmh. sur mon appareil. Ouais. donc euh, ah, moi c'est Google Podcast que, que, que j'utilise ouais. est-ce qu'il y a possibilité puis, de faire des pas listes pas sur Google Podcast je ne mmh. fais pas de liste en rien voilà. j'écoute ceux que je veux écouter okay. je comprends pas pourquoi que les gens font des listes <rire> <rire> moi c'est juste que si je tombe sur un épisode tu sais des fois on reçoit les notifications je pense que l'épisode peut être intéressant mais je n'ai pas le temps d'écouter là ouais. je vais juste aller la mettre dans la liste puis je sais que je vais l'écouter plus tard c'est mmh. plus dans ça ok, okay. okay. Euh, on a d'autres questions monsieur puis tu me disais aussi non, on avait deux tantôt. Ça fait combien de temps en fait, qu'on qu a le podcast? Ça? Il est quelle heure? Il est 7h51. C'est deux heures, ok, <laughs> Il y a une, une dernière question qui a été partiellement répondue. C'est Pascal qui voulait savoir, il dit c'est bien beau, mais est-ce que ça rapporte de l'argent? Euh, donc c'est sur les, les façons de monétiser un podcast, en fait, si vous voulez l'avoir un peu là-dessus. Oui, euh, ouais. En fait, je, je vais commencer par, euh, par juste nommer les, les différentes catégories de monétisation. Donc euh, c'est simple tu peux décider de vendre ton produit tu peux décider de vendre ton service tu peux décider de faire de l'affiliation tu peux décider de vendre de l'inventaire publicitaire c'est les seules façons de faire de l'argent c'est les quatre grandes catégories s'il si y a d'autres je les présenter Patreon il y en a Et tu m'intéresses par quoi bonne réponse On est à 5. donc cinq catégories Patreon qui est en fait c'est les gens qui veulent te supporter qui vont faire un don volontaire donc un membership un membership donc te donner de l'argent pour te donner de l'argent c'est comme un peu vendre un service mais c'est vraiment une classe à part parce que c'est payé volontairement pour une information que n'as pas besoin de payer exact. Fait que Patreon, intéressant euh, personnellement celles que je pense qui sont les plus euh, les plus prometteuses c'est toujours personnellement je trouve que c'est l'affiliation je pense que l'affiliation c'est celle qui a le plus gros revenu et le moins d'implications au niveau du CPM c'est à dire que pour le nombre d'écoutes pour 1000 écoutes c'est celui qui va te donner le plus de valeur possible euh, sans que tu à faire un service ou un produit euh, en plus. Si tu un produit à vendre, vends ton produit. Si tu un service à vendre, vends ton service. C'est là que tu vas aller chercher le plus de valeur. Puis au niveau de la publicité, tu l'as dit tantôt, c'est 40$ dollars par 1000 écoutes, mais il faut que ça soit des écoutes... US. Hein? US. US, oui. ouais. Fait que c'est 60$, 60 ouais. à peu près. Plus ton, euh, plus, ton, plus ton audience va être nichée, plus tu vas pouvoir te permettre d'aller à 60, 65, 70. Plus tu es générique dans ta façon de travailler ton sujet, plus tu vas être plus à 50, 45. Parce que 40, c'est le maximum présentement qui est là par mille. Là. Mm -hmm. Donc, mais, mais si jamais tu vas dans quelque chose qui est très niché, qui, 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 qui ton, ton audience va C'est la moyenne? Euh, 40, c'est moyenne élevée maintenant. Moyenne élevée, OK. Ouais, c'est ça. Okay. Okay. Fait, que, euh, fait que, ouais, c'est ça, exactement. Que, Puis au, au niveau de l'affiliation, ce que j'aime beaucoup de l'affiliation, c'est que c'est pas tant. Euh, c'est ta capacité en tant que marketeur de Vente, communiquer, exactement. de vendre, de convaincre, de persuader, mais non seulement ça, mais de connaître ton audience, de connaître leurs besoins, d'aller chercher les, les, les produits ou services euh, qui vont avec, avec ça. Et puis là, à ce moment-là, tu s'en vas t'inscrire au programme d'affiliation et si tu fais une très, très belle job, mais les compagnies avec qui tu fais de l'affiliation vont te contacter, ils vont oui. te dire « Oh, what, what, qu'est-ce qui se passe ?» Euh, on a une 40 ventes, euh, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis là, ils vont vouloir peut-être t'acheter euh, un spot publicitaire parce que ça va peut-être t'enlever de la pression euh, au niveau de, 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 de à la performance pour vendre. Mais moi, je pense que l'affiliation, c'est la meilleure façon. De, ça sera, de toute façon, ça ne sera jamais aussi payant que, de, parce que tu dis le, le spot pour vendre. Il y, a, il y a différentes façons de gérer la publicité sur ton podcast. Mm -hmm. euh, il y a plusieurs podcasteurs américains qui vont inviter, on prend un exemple. Euh, Leadpages. As tu utilises encore Leadpages? Oui, je suis bon. encore à. Okay. L'Ilianvaire.com slash Leadpages pour avoir <laughs> exactement 0% de l'ordre de Radev sur Leadpages, mais ça me donne 10% de votre abonnement. <rire> Donc, par <laughs> <laughs> en cet fait, exemple, je te passe le Par cet tu... en fait, exemple, Leadpages, tu pourrais, par exemple, intégrer ce. ce, 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 ce... J'invite le, le founder à venir faire quelques minutes. Par épisode. Fait que tu peux dire, regarde, on va se booker, euh, euh, puis tu peux le faire juste sur ton audio, pas, pas nécessairement dans la vidéo, mm -hmm. tu peux le faire juste sur ton audio. Et tu pourrais dire bien, j'invite le founder, on se fait deux heures, on binge deux heures à coup de deux minutes, mettons. Fait qu'on va faire, je sais pas moi, euh, 40 ca capsules, puis on en a pour euh, l'année ou plus. Puis tu vas l'insérer ces deux minutes-là à l'intérieur de tes épisodes. Puis ça va être une capsule qui va être, qui va donner de l'information sur les features de lead pages. Mais qui va en même temps, c'est lui qui va vendre pour toi. Ouais. Qui est de mieux placé pour vendre qui que vendre, la personne oui. qui est directe là? Bon, ça, c'est une des façons de faire. L'autre chose que tu peux faire aussi, c'est euh, d'avoir la possibilité de faire de l'affiliation. Euh, je vais te donner un exemple. Tu, euh, je reçois Antoine de J7 Media. Ouais. On parle de publicité Facebook. Ce n'est pas tout le monde qui veut nécessairement faire affaire avec une agence de G7 pour payer G7 à faire les, euh, toutes les graphiques et tout ça, puis après ça, etc., faire le, gérer le budget et tout ça. Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui veut faire ça. Il y en a qui préfèrent faire la formation de Libère sur le même sujet, puis gérer ça eux autres-mêmes. Ouais. Sur le sujet de la publicité Facebook, je pourrais très bien dire si jamais ça vous intéresse de travailler avec Antoine, aller à tel endroit puis travailler avec Antoine. Si jamais vous voulez le faire vous-même, mais par la tranchée, Facebook, whatever, euh, la tranchée.com/baroblique président. Oh boy, <laughs> c'est sage formation, étant donc je pourrais, ou je pourrais à ce moment-là mettre mon lien d'affiliation. Oui, ouais, ça serait plus marcoberdant.com marco, slash formation Facebook. Facebook. Bon. Enfin, bon. Donc, à ce moment-là, je vais comme ça. Et vous pouvez avoir accès à votre formation Facebook. Bon, affiliation. Exactement. Et là, il y a l'affiliation qui rentre en ligne de compte. Est-ce que l'affiliation de Facebook sur un épisode donné qui est contextualisé en fonction du sujet de l'épisode va être plus payant que d'inviter Olivier Lambert à venir ou de, que, que la tranchée me paye un coup par mille sur mon épisode c'est sûr que oui. Oui, je pense que oui, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr que certain. oui. Donc, l'affiliation, c'est définitivement quelque chose d'extrêmement intéressant et extrêmement puissant. C'est de loin. D'ailleurs, je leur dis, dans l'Académie du podcast, je leur dis, quand on commence le module de monétisation, en partage, je leur dis, votre premier client, c'est l'Académie du podcast. Parce que vous allez prendre ça et vous allez promouvoir ça en disant, dès votre premier épisode, j'ai lancé mon podcast grâce à l'Académie du podcast. By the way, si jamais ça vous intéresse, vous aussi, de lancer votre podcast, voici à, à l'endroit où il faut vous aller. Hmm. Et automatiquement, vous allez rentabiliser votre, euh, votre, votre formation que vous avez prise. Hmm. C'est votre, votre première façon de monétiser votre podcast. Ça, c'est clair. L'affiliation, c'est quelque chose qui va vraiment aider le monde du podcast à se lancer. Parce que les gens qui. Il y a plein de monde qui se disent Ouais, mais moi, comment je vais faire pour monétiser ça? Mais la première chose à penser, c'est ça, c'est l'affiliation, c'est la première mmh. affaire que les gens doivent avoir le réflexe de mettre, puis la beauté de ça, c'est que ça te permet de choisir ce que tu vas décider de promouvoir, fait que tu peux pas dire, ouais, mais je suis pas sûr de cet outil-là, je suis pas sûr de cette affaire, tu sais, c'est toi qui choisis, fait que, Choisis exactement ce que tu veux dans ta tente. Si tu n'endoses pas, tu tel produit. Lead pages. Je n'ai jamais travaillé avec Lead Pages. Je ne vais pas promouvoir Lead Pages. Même si le gars de Lead Pages vient me voir et me dit T'attends-tu de mettre ça sur ton podcast? Euh, non. J ai, j ai, ouais. Je ne travaille pas avec toi. Je ne vais pas promouvoir. T'sais, moi, j'ai comme principe de dire je ne vais pas mettre de quoi dans mon podcast. Il ne faut pas mentir aux gens. C'est comme un, 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 un des d'affiliation avec lequel j'ai fait le plus de revenus, c'est Drivecard. Drivecard, je ne sais pas si tu as essayé ce produit-là, c'est fantastique, c'est magique. Tout le monde à qui je recommande Drivecard, capote. C'est simple, c'est intuitif, ça va bien. Fait que Pour moi, recommander un produit comme ça, mm. c'est no-brainer. J'utilise ActiveCampaign pour, pour mes cookies que tu utilises. C'est quoi euh, Courriel, j'ai switché de ClickFunnels à System.io. Ouais, ouais, tout ton et système. Et System.io euh, offre ça. Ah, ouais. Puis, bah il bah, faudrait que je, que je connecte. C'est quoi si. C'est quoi le nom de, du founder de Simply? Aurélien de France? Aurélien Maker. Il fallait que je connecte avec cette personne-là. Il a l'air. Euh, très, en fait. très influent. Il est très influent et il a l'air sympathique quand oui. même euh, euh, dans le monde du marketing au, en France. En oui. oui. Euh, bon, mais je pense qu'on a enrobé. Notre sujet, peut-être le podcasting. Mm -hmm. euh, de façon généreuse, je pense qu'on en a parlé euh, suffisamment. Si il y a des gens qui ont plus de questions, euh, ils pourront les poser dans les, dans les commentaires, que ce soit sur Facebook que ce soit sur euh, l'épisode de podcast directement sur la tranchée. Et j'aimerais ça peut-être qu'on qu qu parle de choses plus détendues. Tu sais, qu'on qu brise la glace sur des. qu'on qu qu ait. Qu Qu'est-ce que tu me dises à lui, il y a personne qui m'a posé cette question-là en entrevue? Donc, j'aimerais vraiment savoir, est-ce que tu me poses cette question? Non, je suis beaucoup trop terre à terre pour ça. Es tu es en train de me dire que j'en ai 60 milliards de systèmes solaires dans la galaxie. Mmh. Tu ne crois pas aux extraterrestres? Non, je est-ce que es, Est-ce que tu es comme, tu crois pas qu'il existe sur Terre ou tu ne crois pas qu'il existe dans l'univers? Honnêtement, dans l'univers, aucune idée. Sur Terre, aucune chose. Hmm. Tu n'as jamais regardé de documentaire sur Ah oui, souvent. Oui. Ouais. Pour comme... moi, c'est non. Non? Non. Ouais. Je n'y crois pas. Okay. Les fantômes? Les esprits, là, les, les, les maisons habitées, ces affaires-là. Là. Ouais. ouais. Ah, tabarouette. Peut-être. J'ai pas le droit à peut-être, hein? Euh, qui... Entre toi et moi, les aliens sont bien plus plausibles que les fantômes. Tu trouves? Ben oui, c'est sûr. Je sais pas. Je sais pas. Parce que moi, je suis un gars de Dio, puis les fantômes, on peut les entendre, on peut les enregistrer. C'est un <laughs> les... Non, non. <laughs> Pas les podcasts! Avec ben oui, Un podcast, c'est <laughs> un fantôme! Why not, que connard? Non, non, non. Non, non. C'est je, 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 je assez terre à terre, c'est ça? C'est assez terre Oui. Ouais, ok, mais oui. ben c'est correct. T'sais... Je suis <laughs> déçu. Pourquoi tu pensais que notre prochain mandat, c'était de, de. Mais j'avais apporté un board de Ouija. Oh! <laughs> Ah, ça, par exemple, j'aime ça. Ça aurait pu être cool, par contre. Frère, ça en fait un. Oui, truc je, euh... aime ça, j'aime ça. Hein? Ouais, j'aime ça. <laughs> ça, ça. Ça, ça, ça. Ouais, j'aime Les films d'horreur, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Ouais. Tu sais, je suis trop terre à terre pour croire qu'est-ce qui se passe dedans. Il y a du monde qui écoute ça. Ma femme, elle capote. Là. Écouter un film d'horreur, elle, elle ne dormira pas. Là. Hmm. Fait que hmm. je ne peux pas écouter un. Même si c'est un vieux Vendredi 13, je me suis retapé Vendredi 13, la prom... le premier. En fin de semaine, je suis tombé là-dessus par hasard, n'est Ah, oh. OK. Cliquez là-dessus, j'ai écouté ça. Premier film de Kevin Bacon. Ah ouais. Troisième ai, film. Je n'ai jamais écouté euh, avant le 13. Ah oh boy. 84, Kevin Bacon. Du coup, je ne l'avais même pas reconnu. Hmm. T'sais, non, non, c'est ça. Fait que mais ça, ça, j'aime ça. Les films d'horreur, j'aime bien ça. Quand c'est bien fait, j'aime ça. Je ne suis pas Sharknado. Là. <laughs> un bon film d'horreur, j'aime ça. Oh my God, Et pour moi, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait des bons films d'horreur. Les nouveaux films d'horreur ne sont pas bons. Pour Pourquoi? moi, ils ne sont pas bons. Pourquoi? C'est pas, pas, pas un vrai. Il n'y a pas de suspense. Il hmm. n'y a pas de vrai suspense que ça a de l'air vrai. Pour moi, le tchit, 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 ah, ah, ça, là pour <laughs> moi, c'est ça, un film d'horreur. OK. C'est ça. All right. Mais c'est drôle, t'as l'air vraiment comme à, à, à bien... Est-ce que c'est un de tes genres préférés? Euh... Euh, oui, oui. Les films, overall, oui. J'aime bien ça, les films d'horreur. OK, cool. ouais Mais les vieux films d'horreur. Old school. Oui, oh, euh, 90 et moins. C'est correct, ça. Parfait. Ouais, ouais. <laughs> J'étais même pas là. Non, je sais vraiment pas. Moi, je suis pas... Je suis quelqu'un qui. Mettons quelqu'un qui se coupe un bras. Genre euh, décadence. Je suis pas capable. OK. Il y a quelque chose en dedans de moi qui, 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 qui comprend pas pourquoi c'est le fun. Euh, je suis pas capable d'en marquer là-dedans. Okay. J'ai juste le goût de fermer la TV et d'aller de, 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 gamer. By the way, qu'est-ce que tu fais toi pour te? peu une grosse semaine, parce que tu es un entrepreneur. C'est pas ouais. tous les business que tu as, by the way, parce qu'on n'a pas le temps parler de ton parcours durant le podcast. Ouais. Ben moi, j'ai une on l'a dit un petit peu au début, j'ai une entreprise avec mon père, mon frère. On a une trentaine d'employés à Granby. On production fait de la confection, extrême. production extrême. On fait de la confection de vêtements. On fait d'articles promo, vêtements promo. Mm -hmm. Donc, ça, on a quand même une, une belle machine autour de ça. J'ai euh, une équipe de hockey. Une équipe de hockey euh, qui vient pas souvent dans la région ici à trois rivières mais qui joue un peu partout dans la, dans, dans la province. Euh, les Inuits de Granby, qui va à la Ligue Nord 3 du Québec, propriétaire de la franchise à Granby avec euh, quelques autres partenaires. Ben ça, c'est. Ça a été un long trip pour moi, le hockey. Là, ça, ça, ça tranquillement pas vite, je me détache de ça. Peut-être un peu par manque d'intérêt à la longue, mais j'ai encore des bonnes années à donner là-dedans. Ça va être encore ça. J'ai coaché d'ailleurs à trois on en a parlé juste avant d'entrer en onde. J'ai coaché les, les estacades ici, j'ai coaché l'ingénieur majeur, tout ça. Donc, j'ai roulé ma base pas mal dans le hockey et euh, ben, mon entreprise personnelle, évidemment. Mais outre ça, j'en ai eu aussi 18 autres. Oui. <laughs> qui ont poché. on en avait parlé à euh, pas <laughs> que j'avais été sur ton jeu de radio. Mais qu'est-ce que tu fais pour te, 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 te relaxer, pour euh, décompresser, pour faire en sorte que quand tu arrives à la maison, puis là, ta, 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 ta femme te demande quelque chose, puis tu, es, es, es... tu te calmes un peu. Avec quoi tu te calmes Ça va te paraître un peu drôle, puis probablement que le monde là le monde qui, qui, qui nous écoute vont, vont penser à la même chose, mais c'est... j'ai quatre filles, moi. OK. Fait qu'on le veuille ou non, là, quand tu te présentes à la maison, là, faut que la Switch, elle, elle, elle des plugs <laughs> Parce que si elle déplugue pas, il euh, y a quelqu'un qui va tirer le fil, ça sera pas trop long. Okay. Fait que t'as comme pas le choix de, 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 de te ramener terre à terre, de dire, OK, bon, OK, on est avec eux autres, on ah, joue ouais, avec ouais. eux autres, tu sais. Fait. fait que ça, c'est sûr que sinon, ben, je suis un gars de camping. J'ai un, une roulotte dans un camping, puis sur le bord d'un lac, puis du ah, tout ça, je suis un gars de plein air, lac, là. suis un gars de lac, là, tu sais. Vraiment. Okay. Dans très peu de temps, je vais avoir ma résidence sur le bord d'un lac. Puis je vais faire des lives. Puis on va voir le lac en arrière. Je vais avoir une salle de formation. Je vais pouvoir accueillir accue 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 les gens là pour faire ça directement sur le bord d'un lac. Probablement le lac Champlain, euh, sur, les, sur les rives duquel j'ai grandi. Mes parents ont acheté un, un chalet sur le bord du lac Champlain le 1er avril 75 par contrat prise de possession date de prise de possession le 1er avril 75. Je suis né cette journée-là. Donc c'est un signe. Il faut, il, faut que, il faut que je me trouve une résidence dans ce coin-là. Donc, ça, c'est dans les projets euh, futurs. Et euh, non, moi, le lac, pour moi, mon père demeure encore sur, sur les rives du, du lac Champlain. Puis euh, quand je vais chez lui, à chaque fois, je m'installe sur une roche, puis je peux rester. Euh, deux Heures de temps à regarder le lac, puis je m'étonne pas de ça. Fait que mm. Ça, pour moi, c'est ça. Avec un petit verre de gin. Un petit peu verde... plus gin que. Bah, je, oui, fait je Deux fois tu, que, tu, que tu mentionnes le gin. Je suis définitivement. Je, je, en fait, je connais plus le gin que le scotch. Mais il n'y a pas grand chose à connaître de gin. Je veux dire, il y a le Romeo gin, puis il y a du gin pas bon. Toutes les autres gins. <laughs> As-tu de l'affiliation là-dessus? Non. <laughs> Atranché.com.com. Mais. <Sonra rires> J'apprends à apprécier le gin, c'est relativement nouveau, sinon ben sais moi c'était de la bière à du vin, là. Ouais, ouais. beaucoup, là. Fait que, beaucoup, beaucoup, everyday, mais, Every <laughs> ouais. mais euh, Porto, j'aime bien le Porto aussi. Ok, ouais. puis euh, dans, les, euh, dans tes projets qui s'en viennent dans le futur proche, mettons, un à deux, dans une à deux années, c'est quoi ta vision euh... Je pense que c'est surtout au niveau de ton entreprise personnelle que tu veux faire euh, développer les, les choses. Avec l'explosion du podcast, ben c'est de, de bien positionner l'offre qui va être offerte par euh, l'Académie et euh, de diversifier tout ça. Parce que présentement, ce qui est offert par l'Académie, c'est les gens qui n'ont pas de podcast qui veulent le lancer, les gens qui en ont un, mais qui, ont, sont, qui viennent juste de lancer. Et qui ont vraiment besoin de monétiser, de développer, peu importe avoir plus de résultats sur leur podcast. Mais là, je veux graduellement développer des trucs pour des gens qui sont établis, qui ont déjà un podcast, mais qui veulent continuer de challenger sur leur façon de faire et tout ça. Donc, je veux vraiment offrir une, une offre qui va être globale sur, sur peu importe où tu es dans les du podcast. OK, super. Écoute, je pense que ça, ça fait un bon wrap-up. En fait, ton Académie du podcast, je pense qu'il faudrait qu'on démystifie ça un peu parce qu'on a, a parlé de la formation right. qui est sur la tranchée. Donc, grosso modo, pour ceux qui écoutent à la maison, euh, le, le, ton, ta formation sur l'Académie du podcast, c'est une grosse formation. à Neuf ça. 947 et tu as combien de modules, tu combien de 80 vidéos, à 80 vidéos, c'est combien de vidéos? c'est combien de temps de contenu je pense comme. autour de 35 heures. 35 heures, c'est immense comme formation. Pour oh. quand tu, tu m'as donné ces chiffres là dans la préparation du, du podcast, comme je savais que tu faisais une formation, je ne savais pas que tu faisais une formation une formation de 35 <rire> heures. <rire> fait que, le, ce qu'on a mis sur la tranchée en fait c'est le module d'introduction euh, de ta formation et en fait, ce n'est pas tout à fait le module d'introduction. Ce qu'on a mis sur la tranchée, c'est les, je dirais à peu près la moitié du module d'introduction et certaines vidéos des autres modules parce que ce que je voulais, c'est que les gens aient les outils nécessaires pour lancer un podcast. Suffisamment d'informations pour arriver à dire, je pars de zéro et je mets ligne mon podcast. Ouais. Donc, c'est ça, dans la tranchée, c'est ça. Si vous voulez lancer votre podcast. Et vous voulez figuring out, comme tu disais tantôt, le reste de toute la patente pour dire je vais avoir des résultats, je veux monétiser, je veux faire ça, mais ça, je vais faire ça par moi-même, ce qu'il y a sur la tranchée, c'est parfait. Ça va vous permettre de tout faire ça, il n'y a aucun problème. Si vous voulez vous faire accompagner pour tous les résultats qui vont suivre par la suite, si vous voulez vraiment avoir le chemin de la structure pour ne pas vous planter comme moi j'ai fait, puis comme plein d'autres ont fait, euh, ben là, à ce moment-là, l'académie va venir en aide par rapport à ça pour vraiment optimiser vos résultats sur votre podcast. Et la beauté de la chose, c'est que je ne sais pas si tu veux le dire tout de suite, mais on offre un rabais. Oui. oui. Okay. Alors, on offre un code promo pour les gens qui vont vouloir acheter l'académie. On va offrir un code promo. Euh, donc, les gens qui vont se procurer la formation sur la tranchée vont avoir accès à un code promotionnel. Qui va leur permettre d'obtenir 20 de rabais sur la formation de l'Académie du podcast. Okay, 20 ce qui veut dire que, que ce qu'on avait convenu à l'avance. Ce qui, bon di si, si ce qui modifié, veut dire ça. donc que les gens qui, a, qui, a, qui achètent sur la, sur la trancherie présentement, ça leur coûte 49 Right? Ouais. Alors, ils payent 49 pour sauver 200$. S'ils ouais. veulent acheter l'autre formation. C'est quand même un bon deal. C'est un pas que Mettons que quelqu'un qui veut se partir un podcast, là, Là, tu as start, besoin d'informations, tu sais. Tu start avec les 49, tu là, là tu es chez toi, tu önem, es en train d'écouter ce qu'on est en train de faire présentement. Là, tu te dis, ben mon dieu, quelle décision est-ce que je devrais prendre Mais ben, ça serait, je pense que... un no-brainer. Je pense que la personne qui, qui hésite en ce moment est suspecte. Tu sais Où est ce scotch Où est ce, ce... Puis, elle a bon fini ça. la bouteille. <rire> <rire> Écoute, hey, merci beaucoup d'être euh, venu sur le podcast. Rapidement, euh, fais juste dire aux gens où te rejoindre, où aller regarder, où s'inscrire à ton infolette, où s'abonner à tes trucs. MarcoBernard.ca, ça vous allez trouver là-dessus. Le podcast L'Accélérateur. Vous pouvez aller dans n'importe quelle plateforme d'écoute, iTunes, Spotify, on les a toutes nommées tantôt. L'Accélérateur, c'est mon podcast que j'ai le plus d'épisodes là-dessus. Reçu deux fois Olivier, 39,204. Euh, ensuite, l'Académie du podcast. Donc, si vous faites une recherche, euh, académiepodcast.com, vous allez tomber directement sur le podcast de l'Académie. Là, vous allez avoir accès à 55 épisodes présentement, 57 épisodes présentement d'informations de, euh, de, très, très, très spécifiques par rapport au milieu du podcast. Donc, c'est vraiment, oui, je reçois des podcasteurs à l'occasion, mais sinon, la majorité du temps, c'est des épisodes solo qui vont vraiment donner de l'information sur comment euh, bonifier, comment accélérer les résultats de ton podcast et via cette, euh, ce, ce site là euh, académiepodcast.com, vous allez avoir accès à la formation de l'Académie du podcast donc voilà vous avez tous les points pour me retrouver sinon sur LinkedIn. C'est important. tagué. M. Marc Bernard, sur LinkedIn. Ben oui, je t'ai tagué à matin, j'ai je je même pas répondu. Je l'ai vu, j'ai fait comme what is that comme <laughs> personne n'est. lien quoi. Lien quoi. Écoute, cheers, cheers, cheers ça sûr. Ça <laughs> Merci beaucoup. Merci Et puis, à toi. Euh, qu'on qu va avoir l'occasion de collaborer. Ben, J'espère qu'il y a beaucoup de membres de la tranchée qui vont acheter la formation. Prochaine formation, pour, 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 euh, réunion secrète de la tranchée. Oui, c'est le 27 septembre. Euh, c'est ça, Mélo? Meno? Allô? Je pense que oui. <laughs> Allô, <Are rire> Wittos? Le, le, le dernier vendredi. Ouais, c'est ça, le 27. Le 27! 27. <laughs> 27 septembre, on fait la réunion dans les studios de tournage ici. Ouais! Euh, comme ça, on va pouvoir présenter euh, sur quoi est-ce qu'on a travaillé. Ça fait quand même 3-4 mois qu'on est en train de tout préparer euh, le, le, le setup qui n'est pas complet encore pour faire du live, ça a l'air. Euh, mais on a une salle d'enregistrement en haut pour être capable de, qui n'est pas finie. Je vais la finir la semaine prochaine. Pour être capable d'enregistrer des formations spécifiques, pour être capable d'enregistrer des formations en ligne okay. euh, dans la plus belle qualité possible pour faire des unboxings, pour faire des présentations un téléprompteur professionnel. Ben oui! Euh, L'éclairage professionnel, le son professionnel. Euh, mais là, les gens, mon, la, les gens qui sont. Honnêtement, c'est mon petit rêve d'enfant que ben oui, je comprends. Donc, ici, les gens de la tranchée qui, sont, qui écoutent ça là, puis qui se posent la question, oh, venez voir le setup ici. Là, est, là vous voyez juste qu'est-ce qu'il y a ici, mais si vous voyez qu'est-ce qu'il y a en arrière, c'est hallucinant. Non, après ce qu'ils voient ici, ça n'a pas été color gradé. Le son n'est pas optimisé. On n'a pas mis de boucan. Ça, c'est multicolore, mais je ne sais pas comment ça marche encore c'est un quand work tôt, in progress on parlait ça. de se faire les dents mais là je suis en train de me faire les dents avec oh, oh, toute oui. cette technologie là parce que je suis un geek mais euh, j'aime ça dormir aussi okay, voilà mais ben, écoute merci beaucoup merci à toi puis à la prochaine yes.